Et voilà, SWAT 4. Donc ouais, j'avais fini SWAT 4 sur des très vieux streams. Maintenant, quand je les regarde, ça fait un peu pitié. Mais j'avais jamais fait The Cescope Syndicate, le syndicat des Ruskov, quoi. J'avais juste fait, je crois, la première mission. J'avais dit ouais, super, allez, je le ferai plus tard. Ça, c'est un truc qu'on adore dire à la Megaforge. Ouais, je ferai plus tard, super. Mais voilà, du coup, ça me donne un petit peu l'occasion de le faire. Parce qu'en plus il y a Ready or Not qui arrive et du coup j'ai redépoussiéré SWAT 4 pour attendre Ready or Not, donc qui arrive. Voilà, ça arrive dans 8000 ans quoi. Mais voilà, c'est vrai qu'on aime bien le dire. On adore dire, oui c'est ça, c'est des mots qu'on adore dire à la Megaforge. C'est je continuerai le jeu ou alors je le ferai hors stream. Ou on fera des compètes là-dessus. On a plein de trucs prévus hein, mais mais c'est juste qu'on a pas les convictions de les réaliser. Non mais il nous faut juste du temps pour qu'on s'organise, c'est tout. On est peut-être pas professionnel mais on aime bien organiser des trucs. Notamment je crois qu'il y avait c'était une compète sur Mortal Kombat X qui avait été genre préparée, mais avant même que Mortal Kombat 11 ait été annoncé. Donc ça dit un petit peu le niveau du truc, au niveau du timing. Donc voilà, bref, on va partir sur SWAT 4, c'est parti. Donc on va faire une nouvelle carrière. Alors, est-ce que le bruit est bien? J'ai l'impression que le son est pas mal. Donc, bon, c'est déjà ça. Alors, comment on l'appelle, notre officier? D'ailleurs, ce Barashi. Oh, mais c'est adorable, Hoffman. Je finirai Vanquish. Déconne pas, mec. Je l'ai marqué sur mon tableau blanc, je l'ai téléchargé sur mon ordinateur, il est prêt Vanquish. Le problème c'est qu'il faut un stream de la semaine. Et oui. On va pas faire ça un lundi, ce serait complètement con, c'est pas un oldie. Donc voilà. Mais hey, j'ai fait le Blood Dragon, donc Vanquish, il va falloir me laisser un petit peu de temps, c'est tout. Oh. Bordel de merde. Bon alors comment on l'appelle? Comment on l'appelle notre capitaine là? Notre lieutenant même, notre LT. Oui, il y avait un truc que je voulais montrer, c'est dans les new features, en fait, ça explique toutes les additions du nouvel épisode, du coup, enfin, de Cescope Syndicate. Par exemple, les commandes que tu peux laisser en stand-by, donc c'est-à-dire, tu fous des mecs contre une porte, et par exemple, tes deux équipes, tu les sépares, tu les fous contre une porte, et au moment où tu appuieras sur ta touche, les deux feront la même action en même temps. Du coup, ça pourrait être vachement cool pour la suite, donc on peut foutre des coups de poing, on a des light sticks, on a des munitions, on a de la NV, on peut y aller sans armure aussi, mais je crois que ça se unlock plus tard. On a aussi donc les magnums, etc., etc. Ça va se débloquer au fur et à mesure qu'on fera l'aventure, et puis ça, le multiplayer, on s'en bat les couilles. Jean Bomber, Gilles et par... Gilles et par balle, c'est bon ça. Gilles... Connard Van FTP. Ok, normal, lieutenant grosse bouffe. Grosse boule, d'accord, c'est encore mieux. Ruru, vu que j'ai les films, je vais essayer de t'envoyer ça dans la semaine, mais ça va pas être simple vu la côte de merde du coup. Fais ce que tu peux, funéral, mais t'inquiète pas, c'est pas non plus pressé, donc t'en fais pas, poto. Merci beaucoup déjà. Tu mets des droites au civil maintenant, Ruru, enfin dans le DC. Ouais, ça j'ai vu vite fait tout à l'heure. Philippe Lagoupille, Gilles. Ouais, Gilles et Parbal, franchement, Gilles et jaune, ouais. Gilles. Et par balle. En plus, on peut faire des accents sur les majuscules, ça c'est bon ça. Hop là, allez, c'est parti. Donc, le premier niveau, je l'avais fait, je crois, en stream par contre. Je l'avais commencé. Peut-être pas fini, mais je l'avais au moins commencé. L'autruche. L'autruche qui s'est suicidé. Voilà, je comprends pas comment marche cette roulette russe, mais c'est génial. Donc voilà, le premier truc, on va faire tout en normal. On va pas faire en élite ni rien, parce que déjà qu'en normal, je pense qu'on va galérer. Ça hurle dans mon couloir, il y a des gens qui sont en train de mourir, je crois. Je crois qu'il y a des gens qui sont en train de se suicider dans mon couloir. Il y a quelqu'un qui est mort. Allô? Allô? Il y a quelqu'un qui est mort. Allô? Il y a quelqu'un qui est mort? Non, je crois que c'est bon. Bref, on va y aller en normal. Alors, les équipements. Oui, j'avais fait quelques tests, comme vous pouvez le voir. Je m'étais mis déjà un petit stuff sympathique. Mais on va partir avec autre chose. On va partir sur un stuff un peu moins vénère. On va partir sur un stuff classique. Tiens, regarde. Hop, une M4. Et on va prendre le taser pour être sûr de pas trop niquer tout le monde non plus. Lui, c'est pareil. On va te foutre ça parce qu'on sait jamais, toi MP5, toi fusil de chasse. Et bah écoute, c'est pas trop mal, c'est assez hétéroclite, comme on dit.
Est-ce que vous pouvez arrêter 2 minutes de vous suicider dans mon chat, s'il vous plaît, par contre? C'est dans quel SWAT où il y a une mission chez le mec chauve et gros qui détient une gonce dans sa cave? C'est dans le SWAT 4, du coup. C'est dans le jeu de base, c'est pas dans Stagecoff Syndicate. C'est dans SWAT 4 où, ouais, c'est un mec qui fait des masques en papier mâché à partir des visages des femmes qu'il kidnappe. Donc un mec relativement sympa. Il est où l'Edmode Master Shooter quand on joue à un jeu de shoot? Alors, faut laisser un petit peu le temps à Twitch de regarder le truc. En fait, on avait déjà eu une emote, faut que j'en parle vite fait. On avait déjà eu une emote que j'ai soumis à Twitch, mais ils ont pas voulu. Et c'était littéralement la même journée où il y a eu l'attaque en Nouvelle-Zélande. Et c'était cette emote-là. Donc voilà, c'est assez compréhensible que ça a été refusé directement, mais j'en ai fait une autre, voilà, j'ai fait celle-là en rab, donc la deuxième normalement elle devrait passer, mais c'est toujours en cours d'analyse, donc on verra ça plus tard, normalement demain ou après-demain, normalement c'est bon. Elle est bien aussi, ouais, elle est un peu plus dynamique, un peu moins vénère, mais écoute... L'autruche, maintenant, on est potes d'immortalité, give me five. ok les gars, ok, je vous laisse faire vos trucs de puits de Lazare, pas de problème. Allez, c'est parti. Hop, le stream est fiché. Allez, go. J'ai rien compris. Fun time amusements. Ok, allez, c'est parti. Donc, c'est barricade otage. J'ai pas regardé le briefing. Je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout regardé le briefing. Oh putain, c'est très sensible. C'est extrêmement sensible. Oh là là. Ok, ça va être vénère, c'est pas grave. On n'a pas besoin de lire le briefing. Franchement, il faut savoir s'adapter dans la vie, je pense. Blue team, on it. Fall in on me. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est ça. It's open. Voilà, et ça. Et c'est super. Voilà, moi ça me suffit. Bon, on va y aller lentement. On va y aller pépère, c'est la première mission. On va quand même se détendre un petit peu. Chut. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de terroriste, on est bien. Le sniper nous a repéré, c'est pas mal. Est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce que le son est pas trop fort pour le jeu, là? Et ça fait quoi? Du bleu. C'est bon, c'est pas trop fort, c'est nickel. Ok, c'est nickel. Parce que j'ai l'impression que quand Sierra parle, c'est un peu fort, mais c'est pas grave. On verra ça. Ok, donc c'est ouvert. Donc on va appuyer sur CTRL, faire Open Bang and Clear. Voilà. Open and bang. Go. Du coup, ça va mettre en bas à droite Open Bang and Clear. Donc ça veut dire que c'est stacké, ça veut dire, enfin c'est mis en mémoire. On va choper la deuxième équipe, les rouges. C'est Koh-Lanta, bordel. Foot pareil, CTRL, Open Bang and Clear. On my signal. Voilà. Ensuite, on sélectionne les deux avec gold. Hop. Et on va se foutre. On va rentrer avec les rouges. Tiens, on va entrer avec les rouges. Allez, l'équipe Patan Chapanta. Capinto. Hop. Initié. C'est parti. Allez, gold. C'est parti. Allez, go. Mais vous me faites chier, mais... On my signal. Ready, bang. On recommence, et je m'en fous, je veux montrer mon truc. Je m'en fous. Tac. Blue. Voilà. On my signal. Bang and clear. On est bon? Allez, go. Gold. Move in. Ah, voilà. C'est bon. Suspect spotted. Oh, putain. Here he goes. On your knees. Hands up. Moving on. Ça a tiré, hein, ça a tiré. J'ai entendu que ça a tiré, là. Oh putain, le bordel. Attends, il est passé au-dessus. Hands up. J'ai gueulé, hein. Regroup and follow me. Roger. Moving to you. Oh là là, le bordel. Oh, le bordel. Bon, c'est bon. On a personne d'autre ici? Bon, avant d'aller à l'étage, il faudrait quand même qu'on... Oh là 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 là. C'est la merde. Tiens, attends. Hop, ici, c'est clear. Hop. Et là-bas, c'est clear aussi. Voilà. Oh, bah tant pis, Jésus. C'est pas grave. Allez, Mirror Underdoor, on va faire sa tactique.
C'est le seul truc qu'on va faire tactique de cette game, j'en suis sûr. Salut Vito. Mosquée New Zealand Edition. Voilà, 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 voilà. Voilà. On y est. One person unarmed. Eh bah écoute, on va open and clear. Alors si vous, si on est bon, on est bon. Allez, go. Go, go, go. Get down, hands in the air. Police, on your knees. Police, put your hands up. Police. Voilà, et du coup, normalement... Why are you waving those things at me? Voilà, mettre des grosses tartes à des gens apeurés, j'adore. C'est génial, c'est super. Allez, go. Yes, ça c'est bon. Je vais juste vous vous stack up là-bas, s'il vous plaît. Et moi je vais aller check tout ça tout seul. Ok, t'es pas tout seul. Ah. Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? They're trying to kill me. Please don't kill. Roger that. Le son du jeu a l'air légèrement fort par rapport à la voix de Russian. Oui, mais c'est bien ce que je me disais quand même. Attends, ça gueule depuis tout à l'heure. Attends. Get down and put your hands up. Do it. Police, get those hands up. On the ground. Ça gueule partout. J'ai aucune idée ce qui est en train de se passer. Il a une arme, lui. Il a vu une arme. Putain, je veux plus rien. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Oh putain. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu avec leur flash? Je me le suis pris dans la gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon allez, je vais vider ça tout seul. Mec. Je dis ça pour toi, je suis vénère là. Ok, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Non, c'est bon. Stay quiet, you. Je croyais que le mec était en train de pisser. Lâchez ce que vous avez dans les mains. Ah, c'est bon. Ok, personne. Ça c'est bon, c'est pas barricadé. Je croyais qu'il y avait une petite poubelle devant, du coup c'était barricadé. C'est quoi ici? Je crois que c'est juste de l'autre côté en fait. Ça devrait être allé. Ok, tant pis. Y'a quoi là? Ok, pour l'instant y'a personne. No visible threat. Ok, on est good. Ok. Il a mangé, mais il cherchait un peu la merde aussi. Oui, je vais leur mettre des caisses. Bougez pas, j'arrive, je vous foutre des mandales, bande d'abrutis. Ah bah c'est vous. Toi ta gueule, voilà. Tu rends vraiment pas ça facile, hein. Gros cul, voilà. Ça c'est bien. Take it easy, I'm not a dealer. Ouais, bah t'inquiète pas, casser les couilles déjà d'une. Voilà, regarde. C'est smooth. I'm the victim here. C'est smooth, tranquille. Un peu schlass, pas trop smooth. Vas-y, drop. Ok, il a drop. Allez me le chasser, lui. Go. Aïe, j'ai mal. Quelqu'un a tiré sur quelque chose. Je sais pas ce qu'il... Il est mort. Quoi, Officer Down? Où ça, Officer Down? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais comment t'es mort? Non mais... Mais comment il a fait? Attends. Comment... Y'a personne qui est passé, je sais pas comment il a fait pour mourir. Même d'ici, il aurait pas pu. Et par contre, tu vas lui passer les menottes un jour à lui ou pas là? Il a fait une crise cardiaque, bah j'ai l'impression. Il jouait au Hero Kill Accident. Bah oui, j'ai l'impression qu'il a fait une crise cardiaque, qu'il a fait. Il fait peut-être des comas carabinés parce qu'il est diabétique, hein, c'est possible aussi. Par contre, personne a envie de le menotter. Bon bah écoute, je vais le menotter tout seul, c'est pas grave. À quoi ça sert d'avoir une équipe? Voilà, est-ce que vous pouvez me suivre par contre? Vous avez vraiment pas envie en fait? Genre de... Ça vous dit vraiment pas d'exécuter mes ordres, c'est ça le délire? Bon. Et bah on va finir tout seul. Tant pis, hein.
Toi tu veux fermer ta gueule. C'est pas grave, j'ai besoin de personne moi, j'ai besoin de personne. Attends, je recharge et je te tâche ta race. Il a fait une crise. Quoi, police get down? Et qui est tout seul? Allez, get down maintenant. Voilà. Ça c'est bien, ça c'est bien. T'inquiète, t'auras un burger. Je te filerai un cheese. Un filet aux fiches. Ça te va un filet aux fiches? C'est bon les filets aux fiches, non? C'est pas vrai. Okay. Pourquoi tu paniques toi? Vous venez ou pas là du coup? J'ai l'impression de jouer avec des gens. Et c'est des gens qui jouent ou quoi? Ah, maintenant c'est bon, maintenant ça vous dit? Ah voilà, putain! Oh là là! Oh et. T'as eu beau, vous avez eu beaucoup de chance. Oh les deux là, oh les deux gros. J'ai aucune idée comment c'est passé mec. J'ai aucune idée comment j'ai pas eu de meurtre là sur les bras quoi. Ok, les miroirs là dessous. Allez go. Can't do that, boss. Can't do that. Ah oui merde, le seul mec qui avait un miroir il est mort. Bon bah je vais regarder à la main alors. Ah c'est ici? Ok c'est ici. C'est bon c'est ici. Venez les gars. Ok go. Pff, c'est vénère mine de rien comme jeu. Hein. Je suis beaucoup trop stressé là. Hein. Y'a quelqu'un là? Ok y'a lui là-bas que j'avais pas encore nommé. Enfin noté. Et du coup j'ai appris qu'il y avait aussi une fonction. J'ai aussi appris qu'il y avait une fonction, c'est marcher en fait. pendant tout mon playthrough, juste avant. J'avais fait que courir. Comment ça, Shield Cops? Comment ça, c'est Shield Cops? Shield Cops, toi, ouais. Oh, 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 oh. Police on your knees, police on your knees. Voilà, toi, c'est gratos, ça. Oh la vache, j'ai eu extrêmement de chance. Tiens, prends ma lampe dans ta gueule. Hadouken! Hadouken? Voilà, nique ta race. Ok, ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, je l'ai retasé parce qu'il avait encore l'arme dans la main. Je savais qu'il y avait un truc là. Something was afoot. Il a pas compris encore. Lui, il a pas compris non plus. Mais par contre, il va falloir que je le shoote dans le noir. Ouvre la bouche. Je crois que je l'ai eu. Là, par contre, on voit que dalle. Attends. Haha. Voilà, impeccable. Super. Voilà. Génial. Bon, ça c'est fait. On en est où là? Échappe. Rescue all the civilians. Ok, bon, on n'est pas trop mal pour l'instant. All status to TOC. Donc on a oublié, je pense, des armes ou des trucs. Ah bah tiens, regarde, il y en a une là déjà. Je crois que j'en ai oublié une dans le couloir aussi. Cassez-vous. Voilà. Donc là-bas. J'en ai oublié une là normalement. Lui là, il a été report aussi. Ok, normalement c'est bon. Vous pensez qu'il y a des gens là ou quoi? Est-ce que j'ai mon miroir moi? Non, j'ai pas mon miroir évidemment. Police, put your hands up. Ok, les gens déjà morts, mais ça c'est pas nous hein. Ça c'est pas nous, ça compte pas les gars. Ok. Open bang. Putain, c'était que des civils. Ok, mais au moins c'était super stylé. Je suis en triple S là, mon gars. Je suis déjà 6 smoking sweat. 6 smoking sweat, c'est bon ça. Et bah voilà. Impeccable. Il y avait plus personne en fait, j'avais déjà buté tout le monde. Oui, il y a les miroirs qui vont vers l'infini, ouais. Oh la vache, celui-là en plus, il est beaucoup plus impressionnant que les autres. Oh là là. Oh putain le bordel. Je comprends pas en fait quel est le type de technologie utilisée pour les miroirs. C'est un peu en solo en fait, le truc il est un peu en solo. Et bah voilà, regarde, impeccable. On part au débrief. J'ai oublié une arme. Si j'avais ramassé une arme, on aurait passé la mission. Mais comme j'ai oublié l'arme, on va pas pouvoir passer la mission. Du coup, il faut la recommencer. Hihihi, trop rigolo. C'est trop marrant, SWAT. Putain. Bon, alors attends. Attends. Parce que...
Tactical, Tactical, le CS Gas, on s'en fout un petit peu pour l'instant. Du coup, ce que je vais prendre à la place, c'est un Opti Wand, comme ça on est sûr que si jamais c'est la merde, on est tranquille. Pepper Spray, je garde aussi. On va se foutre une Stinger avec nous. En Breaching, on a le Shotgun, c'est bien. Protection, on a rien d'autre, de toute façon. En gun, eh ben tu sais quoi, on va garder. Non, on va changer un petit peu. Tiens, pour vous, parce que je suis comme ça, parce que je finalement j'ai le cœur sur la main. On va changer un peu d'arme. Voilà, on va prendre le GB36, qui est un G36. En fait, je sais pas pourquoi ils appellent ça un GB36. C'est fait exprès ou c'est juste histoire de. Non, pourtant Colt M4A1. Non, pour l'instant, pourtant il y a des marques, mais je sais pas. Bon, on va prendre le G36. Bref, allez, let's go. De toute façon, il faut la recommencer. Hein. Bravo Nicolas. Merci Alexis. Allez Star, c'est parti. Bravo Nicolas. T'es trop fort Nicolas. Oui mais c'est parce que tu sais pourquoi ça? Tu sais pourquoi j'ai loupé là? Quelque part parce que je suis trop tendre. Parce que je suis trop gentil, le SWAT trop gentil, les forces de l'ordre. Ils avaient pas les droits sur le G36. Ben oui, au début du jeu ils te disent ouais les marques Colt machin et tout, mais ouais le G36 je pense qu'ils avaient pas le droit. C'est quoi déjà G36, c'est Éclair & Coq, non? Ou un autre? Y'a quelqu'un là? Pour l'instant, y'a personne. Oh putain, c'est qui ça? I just wanna play some games! Allez, allez, Chad, viens là. Voilà. C'est bon, on va juste faire un petit peu le tour du jardin là. Pour être sûr qu'il y a personne tout autour du bâtiment. Et ensuite, on rentre. On aurait pu utiliser Sierra pour faire ça, mais tant pis. On va utiliser uniquement notre G36 et nos couilles. Ok. On va faire le même plan que tout à l'heure parce que je pense que c'est un bon plan. C'est-à-dire rentrer et hurler. J'aime plutôt. G36, c'est bien Éclair & Coq. Ok, d'accord. Bon bah écoute, c'est déjà ça. J'ai déjà quelque chose de bon. Move up. Attends, déjà on va voir si la door elle est checkée. Unlocked, ok. On va rentrer, open and clear, on stack, ok. Hop, on va retourner auprès des rouges. Du côté des rouges, ça s'organise. Marie, c'est déjà monté l'abri. Ah, je l'ai bien travaillé ma voix. Ok, open, bang and clear. Et je vais partir avec les bleus pour l'initiation et du coup ce sera bien. On va juste, hop, sortir le taser. Non, tu sais quoi, on va sortir le pepper spray. Yes, ça c'est bien ça, ça c'est bon ça. Ça c'est même OP ça je dirais. Allez, go. Do it, go! Go! Time to move! Go! They're finally hands in the air! Get down! Ok, la bang a claqué de l'autre côté. Hop, lui ferme sa gueule. T'as un gun ou pas? Je sais pas s'il a un gun, je vois pas s'il a un gun. Oh putain, il a tèche la demeure! Il a essayé de tèche la demeure quand j'arrivais. Est-ce qu'il y a un mec qui arrive? Non, putain, j'ai eu peur. J'ai entendu un bruit de porte. Est-ce que t'as vu que je me suis instantanément caché derrière l'otage? Qu'est-ce que je peux dire? Ça, c'est le professionnalisme, hein. Ça peut pas réussir à tous. Bah, con quoi. Putain, elle est super balèze ou quoi? Voilà. Bon, et bah écoute, ça a l'air plutôt ok pour l'instant. Et je les reporte l'autre je les reporte aussi. Non, Falling, voilà. Mirror ici, on va faire ça tranquillement, on va faire ça dans les règles du lard. Merde, c'est pas ça que je... Ah, putain, je me suis... Ow! J'ai pris ma porte. Est-ce que je les reporte lui ou quoi? Ouais, ça va être bon. Ok. Et là-bas, y'a quoi? I got it. Ok. Je vais juste faire ça de l'autre côté moi aussi. Comme ça on aura une vision à 360 degrés. Hein. Ça m'a l'air bon dans cette salle aussi. Il a dit one suspect in sight. Bon et bah écoute, rouge ici, open bang clear. Bleu ici, open and clear. Voilà. On est bon tous. 3, 2, 1, go. Go now. Moving, go! Hands in the air, get down! Suspect, get down. So good. À chaque fois, mec. Je sais pas ce qui se passe, je crois que tout le monde est mort. Ouais, tout le monde s'est fait schlasse. C'est la merde, putain, mec, c'est le Far West. Ok, lui s'est rendu. C'est qui a mangé? Putain, évidemment, c'est Gérard qui a mangé, non?
Get down now. Get down. Oh bah écoute, j'ai l'impression que tous les terroristes se sont rendus là, non? Par contre, je sais pas trop ce qui se passe de l'autre côté du de l'autre équipe, mais normalement ça devrait aller. Pourquoi tu tires encore, toi? J'ai l'impression qu'il est encore en train de voir quelqu'un, lui, mais... attends, on verra après. Attends, pour l'instant... On va être sûr... Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui c'est qui tire, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, toi, t'as beaucoup... Ah. Ok, ça se passe super bien. Attends, je vais rejoindre les autres parce que j'ai vraiment pas confiance, là. Attends. Oh là 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 là. Ça me fait un peu penser à la police géorgienne dans Splinter Cell. Ils ont la police là-bas, eux. Ok. Eux, ça va. Ils avaient une gonzesse, mais les autres, ça va pas du tout. Hein. J'aurais peut-être dû étudier un peu le plan mieux. J'irais pas jusqu'à dire que c'est ma faute, mais... Ok, je peux pas ramasser ma flashbang, là? Non. Okay. Attends. Quoi, behind you? Fais pas peur comme ça, espèce de con, je crois que c'est le moment. Et qui me fait des guillis. Bon, eux, ils ont mangé, hein. Ça, c'est définitif. Ça va, les gars? Elles sont où, vos armes, les cocos, là? Enfin, quand je dis les cocos, attention, c'est pas politique. T'avais pas une arme, toi? Ah bah voilà! Putain, il cachait son arme, l'autre! Ah, il est malin! Il veut absolument que j'ai un score de merde. Bon, écoute, on va monter, puis on va voir ce qu'on a en haut. Police, on your knees! Get down! Ok, juste un otage ici. Contact has complied. Oh bah c'est cool. Non, du coup c'est bon, il a complayé. Il a complayé, mais bon, il m'a cassé les couilles. Tiens, dans la carotide. Ouh, une dans l'œil, une dans la bouche, ça c'est bon ça. C'est pas ça que je voulais faire, je suis désolé. Je suis vraiment. Pour vrai, je suis désolé, je pensais que j'avais les menottes. Ok, c'est bon. Le mec il se croit caché avec l'arme qui pointe derrière le mur. De quoi? Comment ça, l'arme qui pointe derrière le mur? Où ça? J'ai vu quelque chose en haut. Je crois que je viens de voir l'ombre de quelqu'un se balader. J'ai l'impression que c'est une chanson de Renaud, ça, non? Ok, attends. On procède par élimination. On va tous les éliminer et ensuite on voit, d'accord? Doucement, hein. Oh, tiens, c'est fermé, ça. Tu fais quoi? Hop, c'est pas fermé. C'est bon? J'avais dit get down, hein. J'avais dit, c'est les ombres noires de Vivi. Oh, merde. Ça y est, c'est les fantômes. Ils essaient de discuter à travers mon téléphone ou je sais pas quoi. Ok, attends. C'est le fantôme avec quelqu'un de tordu. D'accord, ok. ça, c'est scientifique, ça. Y'a quelqu'un ici? Non, ça, c'est ici, d'accord, très bien. Alors, y'a rien dehors, de toute façon personne n'est sorti, je pense. Sinon on aurait entendu Sierra dire quelque chose. D'ailleurs, à propos de Sierra... Ok. Non, on voit que dalle, hein. Y'a juste un mec là-bas, mais... Ouais, non, on voit que dalle, ok. Bon, on va essayer de fouiller en haut, alors. Comment on monte? Attends, comment l'escalier, là? Comment on passe par cet escalier, là? Fait bang bang sur les terroristes et les fils de pute. Ok, Morset. D'accord, Morset Spiderweb. Attends. Mais je crois que l'ombre qu'on a vue là... Oh. Il y a un terroriste qui a oublié son arme. Attends, allez me le choper, lui, là. C'est ça va pas me plaire, ça. Make him safe. This one got away from us. On est d'accord, j'avais le taser avec moi. Hein, on est d'accord? J'avais le taser avec moi. Mec. Ok, ça aurait été la merde. Ok, ça aurait été vraiment la merde. Bon, ça aurait été un petit peu galère, mais on aurait pu s'en sortir quand même, non? À 3. À 3 contre 7. Putain, mais non, c'est pas possible, quoi. J'équipe le taser et pour me faire une blague, il rééquipe le G36.
Ça se fait pas. Ça se fait pas par contre. Clairement, ça se fait pas. Ouais, t'as pas de chance avec la RNG, hein. Ruru Patulacci, gardien de la paix avant tout. Mais non, mais là, ça fait chier, j'ai gardé aucune paix, là. Je suis où? Attends. Donc Sierra est littéralement là normalement en fait. Mais non mais mec, c'est pas possible quoi. Putain, je vais encore recommencer cette mission 7000 fois quoi. Putain. Allez, on se concentre cette fois-ci. Parce que là pour l'instant on était un petit peu fun, mais là c'est bon, on est chaud, on est réchauffé. J'ai encore les mains extrêmement froides parce que bizarrement il fait moins 16 sur Nantes. Fun time, pour l'instant c'est pas fun time de ouf, mais ça ne demande qu'à se concrétiser quelque part. Hein. Bon, vous, open, bang bang, pull my devil trigger, et pendant que moi je vais vérifier le dehors. Louis XVI, abriti. Croix, V, bâton. Ok, pour l'instant il y a que dalle. Je lui ai demandé pourtant. Hein. Je lui ai demandé. Hein. Il tenait un mec en otage, donc j'ai bien fait là, non? Sinon, je vais me faire engueuler encore par. Attends. Non, mais là, c'était bon là. Quelle réaction? Bah oui, c'est l'autre, il est un peu lent. Attends, c'est pas lui, je veux me noter, c'est lui, je veux me noter. Voilà. 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 Le vieux bruit de merde. Évidemment que t'es pas un dealer, t'as vu ta gueule. Par contre, j'ai l'impression qu'il ressemble un peu au mec dans... comment ça s'appelle le jeu où il y a les combats de Clodo, là. Condemned. Pourquoi tout le coin et les ennemis, ils font vraiment penser à Condemned à chaque fois. Bon, est-ce que j'ai des gens morts? J'ai personne qui est mort. Bon, pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle. La pichenette. Ouais, à chaque fois, c'est une petite pichenette qui donne, en fait. Ok, donc vous voulez pas continuer à vider le truc là? Mais non, y'a rien, t'inquiète pas. Oh là là, mais c'est dégueulasse comme boulot, les gars! Je suis pas forcément super patient comme mec, mais non, là c'est bon, là on est bien, on est dedans, tu vois, là on est dans la rythmique en fait quelque part. Qu'est-ce que c'est la polisserie? C'est une danse, voilà. Ok, allez, c'est parti. Alors par contre, je crois que quelqu'un a vu quelque chose. Ah. En effet. Toi, tu mériterais une petite balle dans la gueule, non? Tu crois que c'est... Vous pensez que c'est un otage ou pas? C'est pas un otage, ça. Je pense que c'est bon. J'aurais dû lui tirer dans la colonne vertébrale. C'est pas grave. On verra plus tard. Tac, open bang clear. Ah, Sierra 2 encore? J'arrive pas à le voir, en fait. Là, c'est bon. Et bah voilà, tranquille. Alors attends, cette fois-ci, on va clear dehors encore. Est-ce qu'il va être là, l'autre abruti, là, avec son otage? Non, il y a que lui. Accroupi, sinon je te chlasse. Est-ce qu'on voit quelque chose ici? On voit que dalle. Ok, je joue un peu à la Doom, mais quelque part, je suis un peu curieux de voir les autres niveaux et c'est pas encore tout à fait net, hein. Eh bé. Voilà, ça c'est bon. Cette fois-ci, on rentre. Et cette fois-ci, on se met en spearhead, on se met au devant de la file, parce que j'ai l'impression que l'IA, elle est vraiment pas là pour... déjà pour bosser. J'ai l'impression que les mecs, ils bossent comme des chômeurs, mais... Bon. On en est où, nous? On en est là? Qu'est-ce que j'ai, moi? Une petite stinger, allez hop.
Voilà, go, 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 go. Go, j'ai dit. Putain. Bon bah je le fais tout seul. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible quoi. Il y a quelque chose qui va pas quoi. Si je dois me battre à la fois contre les terroristes et aussi contre mes potes, ça va vraiment pas le faire. Hein. Et là maintenant, y a pas de problème quoi. Check under the door. I got it. Bon, ce qu'on va faire, c'est que normalement, on a le plan là. Voilà. Donc, nous, on est rentré par. Nous. On est rentré par où, nous? Attends. Là, il y a un escalier là. Ça, c'est downstairs. Ok, donc nous, on est rentré. Ben, c'est complètement con. Mais attends. Mais on est rentré par où, nous? Si ça, c'est downstairs. Là, il y a un escalier, mais normalement, il manque un bout. C'est pas la bonne maison. Je crois qu'ils m'ont filé un mauvais plan, c'est con. Parce que, attends, là. Mais non, mais ça non plus. Ça... Bon, bah écoute, on va se démerder, tant pis. C'est pas grave, on se démerde. C'est bien chez toi? Très bien. Ok, deux contacts, un armé et l'autre pas, ok. On open et on bang, let's go. C'est bon, il est désarmé. Ok. C'est la première salle de la soirée qui se fait sans accro. Hein. Je vous invite. Je suis vraiment désolé. Oh. Oula. Évidemment, quand ça se passe bien, je tire sans faire exprès, quoi. Oh, putain. C'est parce que je stresse. Sous la pression, tiens, regarde, je te laisse ça pour t'amuser si t'as envie. Hop. Hihihi. Non, ça t'amuse pas? Ça enculé, va. Donc ça, ici. Non, normalement, il y aura que dalle, hein. Hein? On est d'accord? C'est ça un rappel à l'ordre dans le SWAT? Bah, apparemment, je lui ai mis 2 balles dans la hanche, mais ça va. Mon gars, ça va me niquer mon score, ça. Comment il t'a regardé? Ouais, il aime pas. Il aime pas que je le prenne pour un con. Ouais. Allez, go. Clear so far. Ici, rien. Sur moi, les gars. Ici. Rien non plus. On va aller à l'étage tout de suite maintenant. Parce qu'ici, je pense que... Ouais, mais là, franchement, il a cherché parce qu'il m'a foutu une balle dans la gueule. Même une ou deux, même. Et franchement, j'ai tiré après lui cette fois-ci, hein. Donc, allez pas me dire que... Bon. Attends. Pour commencer, non? Allez, on y va, les gars. Doucement. Voilà, ça c'est fait. J'ai pris une grosse balle dans le torse, mais ça va. Je vais plutôt bien. Ça m'a même pas trop phasé, en fait. Mon perso a pas l'air de trop en souffrir. Mais ça, c'est parce que c'est un vrai Américain. He's a real good American. Lucky Luke. Miroir sous la porte. Ok, c'est bon. Ils ont l'air d'avoir compris mon ordre, c'est déjà plutôt positif. Ça tire là. Ok, toi tu vas manger ta race, regarde. Hop. Alors ça va être un peu vénère. Avec ma petite gazeuse. Mec, ça suffit. Ça suffit juste pour foutre un terroriste sous les barreaux, mon gars, avec ma petite gazeuse, comme ça, à l'aveugle, c'est... Je regarde pas. Ça suffit. Je t'épice la gueule. Ah bah là, oui. Là, clairement, hein. Mais écoute, si ça marche... Voilà, ça c'est impeccable. C'est quoi ça, là-bas? Ils sont où, ça? Oui, ils sont... Mais qu'est-ce que tu fous? Je t'ai demandé de passer le miroir. Tu l'as passé, le miroir, là? Let's play it safe. Use the wand. Copy. On it. Putain, mais les gars, j'hallucine. Allez,
Oh, les gros culs. Ok, donc il manquera lui, on le fera plus tard. Là, peut-être qu'on pourrait se permettre de faire un petit multi-stack, là, comme tout à l'heure. Y'a qui ? No one in sight. No one ? Sérieux ? Bon bah on rentre en bang au cas où, hein, mais s'il y a no one, c'est cool. Mais tu voulais que je le fasse maintenant ? Ah, y'avait vraiment no one en fait. Ah oui, c'est vrai, je les avais butés les deux au début. Oui, c'est, j'avais oublié ce détail. Oui, c'est vrai que j'avais chlassé deux deux criminels. Ça, ça m'énerve. Voilà. Ouh, merde. Les gars. Avec ma gazeuse qui pisse pas loin. Ça... Mec, tout ce que je lui ai fait, c'est lui tacher les pieds. Hein. Oh putain. Bon allez, on y va au fusil de chasse maintenant. Hein. Mais attends. Qu'est-ce que je peux changer? Parce que flashbang, c'est pas trop mal. Doorway, non ça c'est lui. Opti-Wand. Opti-Wander, la chance... T'as essayé de gazer les balles. Mais non, mais c'est parce que j'avais plus assez de pepper spray en fait, c'est ma faute. Enfin, personne n'a dit que c'était pas ma faute, mais tu sais quoi, on va prendre ça, regarde. C'est les nouveaux, donc ça, c'est les nouveaux tasers qui sont disponibles dans le DLC de SWAT 4. Et je crois que t'as deux cartouches cette fois-ci plutôt qu'une. Donc, voilà, on va essayer ça. Allez, là, ça va passer là. Là, ça va être bien. Je vois rien. Une fois, j'ai commencé une partie de SWAT 4 et il y avait un terroriste, genre là, juste devant. Et dès qu'on a eu la possibilité de bouger, genre là, maintenant, et ben, il a commencé à nous tirer dessus. On a perdu la mission. C'était super. Hop, on va regarder en dessous ce qu'il y a. Check behind the door. C'est pas super intelligent d'avoir pris le fusil de chasse maintenant, mais normalement, il devrait y avoir personne dehors. Doc, this is Sierra 1. Element spotted. Il y a jamais personne dehors, de toute façon. Il y a quelqu'un là? Est-ce qu'on peut voir si il y a une nana? Oh putain, il y a un mec. Oh, attends. Oh, je vais me choper, lui. Oh, là, ça va chier, là. Oh, ça va chier, mon poteau, là. Oh, là, je vais le ken. Il va rien voir venir. Oh, là, là. Oh, là, je vais niquer comme une perdrix, là. Oh, là. Oh, là, ça va chier, là. Oh, là, ça va chier, mon gars, là. Attends, je vais le caser. Je vais le caser, sa gueule. Je vais caser sa gueule. Et oui. La supériorité technique. Attends. Page down. Non, c'est comment, déjà? Voilà. Pour eux, là... Et rentrez, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà, impeccable. On récupère son gun. Mon bot est plus violent que d'habitude, j'approuve. Oui, je l'ai changé un petit peu. J'ai changé ses protocoles, comme ils disent dans les films intelligents. Ok. Il est chafouin quand même, Gilles, et par balle. Ah oui, bah écoute, il a eu une vie difficile, Gilles. Hein. C'est bon? Ok, c'est bon. Ça, c'est déjà ça en plus, en moins, en plus. Donc c'est bon. J'ai pas fini de tout visiter dehors, par contre. On va essayer de voir vite fait, quand même. Normalement, on devrait être bon, parce que s'il y avait personne là, il y aura personne après. Hein. Dans le couloir, il y a rien. Ici. Évidemment. Il est mort ou pas? Est-ce qu'il est mort? Il est incapacité, impeccable. Ça c'est encore mieux ça. Ok, ça c'est cool. Heureusement que j'ai pris un fusil de chasse qui tire large parce que parce qu'il m'a niqué le bras là. Donc on verra, c'est pas grave, normalement c'est bon. Ça devrait se passer là. J'ai vraiment pas de bol hein, qu'ils aient mis un connard dehors quand même, ça c'est vraiment un coup du sort, je dirais même. Ok. Et rentrer, s'il y a personne, c'est qu'on peut passer en open gas and clear, tiens, on en a plein. Gas, I'm on the step on the gas. Tu l'as pété 4 côtes avec tes beanbags. Ah oui, avec mes beanbags, haha. Parce que j'ai mis des beanbags dans mon fusil de chasse, haha. J'ai pas mis du gros buckshot 00 dans mon fusil de chasse, haha. Il est bien incapacité avec mes beanbags. Allez, go, miroir là-dessous. Ha ha ha. Vous voyez bien, c'est pas trop sombre pour vous? Ça l'est pour moi, mais c'est pas grave.
Haha. On est bon? Allez, go. C'est la sœur de Chantal. Chantal Beanbags. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que c'est ta blague. No visible threat. Mais ça veut pas dire que tu, si tu peux pas la voir, qu'elles sont pas là. Girard. Réfléchis, bordel de merde. Y'a personne? Y'a personne. Ce qui me fait chier avec ce taser, c'est qu'il y a pas de lampe dessus. Le moindre truc de SWAT sans lampe, c'est complètement con. Est-ce que je peux pas... Ah, c'est vrai que j'ai une touche pour voir la map. Je crois que d'ailleurs, le Night Vision, elle se débloque un peu plus tard. Et ça, ça va être génial. On a vraiment eu beaucoup de chance sur le connard par terre, là. Parce que les incapacités avec un fusil de chasse, c'est vraiment rare. Donc, miroir là-dessous. Allez, go. C'est Cabela, mais avec des hommes. Ouais, grave. On est bon? Chut. One suspect in sight. One suspect, allez go, open bang. Open and clear, bang it. Ouais, open bang. Suspect spotted, open and bang. Clear. Quoi? Copy, on it. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Mec, je comprends pas ce qui se passe. It's locked. Ah, c'est locked? Door is locked, on it. Eh bah, breach, bang, arrêtez de... Et mec, ils essaient l'infini. Arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais... Bon bah vous voulez que j'ouvre moi-même? Bon bah j'ouvre moi-même. Voilà, voilà, go, 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 c'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Lâche la drogue. Voilà, impeccable. Oh, tu l'as chlassé quelqu'un là. Impeccable. Ça tire, je sais pas d'où ça tire. Lui il a mangé sa grosse mère. Je suis assez content. Quelqu'un s'est fait taser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va trop vite pour moi là. Ça va trop vite pour moi là. Toi tu vas bien? Toi tu vas bien? Oui tu vas bien. Je crois qu'il s'est pris littéralement la flashbang dans les couilles en fait. C'est pour ça qu'il s'est rendu si vite le mec, il est pas con hein. Ok ça c'est bon. T'as besoin de taser un mec jusqu'à ce qu'il devienne du jambon fumé. Non malheureusement c'est pas Siphon Filter donc désolé. Il était il est mort lui ou il est, est-ce qu'il est juste fumé un peu? J'ai l'impression... Oh putain les mégots les mecs. Non j'ai l'impression qu'il est... Ah il est incapacité j'ai l'impression hein. Il bouge un peu? Tu bouges un peu? Ou alors c'est lui? Non c'est pas lui, non c'est... Ouais non c'est bon c'est lui. Ok il est pas mort encore. Eh bah écoute ça fait deux fois qu'on a énormément de chance. Je pense que le Jésus des terroristes est en train de... est de notre côté cette fois-ci. Le Jésus des terroristes. Peut-être pas que je dis ça. D'ailleurs. Ok. Cette cagoule peinte sur la tête. Eh bah ils font comme ils peuvent, hein. Ils ont pas forcément tous les moyens du monde. Déjà qu'ils ont acheté des MP5. Enfin des scorpions. Suspect spotted. Mais qu'est-ce que tu fous toi? Mais je t'ai rien dit. Mais je t'avais même pas eu que t'étais là, t'aurais pu me niquer dans le dos. Non mais oui, mais si les terroristes ils sont même pas dans le truc aussi, bon bah voilà, c'est un peu chiant quoi. Ow! Ow! Hey! Ça pique! Attends, bouge pas, je trouve la stinger et je te l'envoie dans la gueule. Tiens, attrape poteau. Pichli, Pichli, bah oui pas Pichli, tu m'as cassé les couilles aussi. Attends, je vais aller chercher lui. Est-ce que t'as vu n'empêche le Kevlar? Est-ce que t'as vu le Kevlar? Oh, mais ça pique. Ok, c'est bon, normalement, il n'y a personne d'autre, là, quand même. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah, le mec, il s'agenouille. Et pourquoi je peux pas le taguer? Ah bah c'est bon, je l'ai déjà tagué, ok, d'accord. Oh, putain. Ah, c'est le manager, disons. Ravi de vous rencontrer. Ok, c'est bon. Aïe, ça pique. Bon, on a eu beaucoup, j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Il faut qu'on réussisse cette mission parce que là, ouais, non, on est plutôt bon pour l'instant. Il y a juste une pièce à vider en haut. On est à combien de 10 sur 13 reporté au TOC et 10 sur 11 evidence. Donc il va falloir quand même qu'on cherche un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on a droppé les trucs sans faire exprès. Toi t'as rien, toi t'as rien. C'est un petit peu le truc chiant dans le jeu. C'est qu'il faut chercher en fait les preuves. Soit les armes, soit la drogue, etc. etc. Et là j'avoue qu'il m'en manque une. Alors je sais pas trop où c'est, t'aurais pas vu de la drogue toi par hasard. Attends je vais sortir mon taser parce que... Mais ah mec j'ai pas de lampe torche, merde. Peut-être qu'il avait deux armes lui. Est-ce que t'aurais pas eu deux armes par hasard? Parce que j'y ai foutu une stinger dans la gueule.
Mais ça, oh pardon, mais ça se trouve, il avait deux armes. Non, il a été reporté. Vraiment mal tenu cette arcade, hein. Vraiment aucun sens de la rien du tout quoi. A-Bomb Man Room. Ah, c'est une petite référence au premier jeu. Ça va les gars? Vous n'étiez pas en train de niquer quand même, hein? Est-ce que tu crois qu'ils discutent les deux? Je suis sûr qu'ils parlent en vrai. Ils ont une petite discussion genre ouais, ça fait combien de temps que t'es là? Bah 5 minutes? Ah ouais, moi aussi. Bon, je sais pas trop où est la dernière preuve, j'avoue là. Bah oui, je sais, mais bon, il va falloir attendre un petit peu. Les médecins, ils vont pas arriver tout de suite, monsieur. Les médecins vont pas arriver tout de suite, monsieur. Bon. Eh ben écoute, on va chercher ailleurs. À mon avis, on a oublié des trucs. Enfin, c'est pas à mon avis, c'est à l'avis du jeu, en fait, surtout. T'avais rien, toi, vraiment, hein? Bon, les miroirs. Et tout de suite, oui. Oh, les gars! Putain, la vache! Allez, les gars! Là. Let's play it safe. Use the wand. On it. Je me fais Full Metal Jacket en même temps que ce stream, oh, et j'approuve. Eh ben, ça c'est bien. Ça c'est un bon choix de vie, ça. Swap with me. Come swap with. Ah, mais c'est toi! Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais je t'ai rien dit, toi non plus! Two contacts, one arm, one contact. This is entry team. J'ai pas trop ce qui s'est passé ici, mais ok. Allez, rouge. Open bank clear. Red team. On my order. Et bleu, open, and clear. Open gas clear. Voilà. Ça va être bien. Ça va être bien. Là, on va les ken. Là, on va les déboîter, là, mon gars. Oui. Bridge est clear, toi. C'est quoi, bleu, ça? C'est bleu, ça. Ouais, c'est bleu. Bridge, gas clear. Voilà. Ça va être bien, ça. C'est bon? Avant demain, quand même. Ok. Allez, go! Go! Impeccable. Go! J'adore quand ça se passe comme ça, c'est génial. Impeccable, ok, c'est cool. C'est bien. Personne n'est blessé. Mec, c'était plutôt bon là, mine de rien. Salut les gars, salut à tout le monde qui est arrivé. Je vous ai pas tous dit bonjour d'ailleurs, je suis désolé, mais là je suis un petit peu occupé à niquer du terreau. Et du terreau, par là j'entends du terroriste, hein, et non pas ce qu'on donne à des plantes, par exemple. Report all status to T aussi. Ah oui, c'est parce que j'ai oublié, du coup, eux là-bas. Enfin, il y a une nana, je crois, qui est en train d'en chier là dans les chiottes. Et d'ailleurs, je pense qu'on va faire pareil ici, parce qu'il me semble que le dernier, il va être très certainement à l'intérieur, là. Je vais sortir mon plus beau taser. C'est bon? Y'a quelqu'un? No contact, ouais, j'ai pas confiance. On va quand même open and clear des deux côtés. Blue, on my signal. Get in there and clear. Rouge, pareil. Et toi, avec une petite bang en plus. Parce que j'ai vraiment pas confiance, là. Je suis vraiment pas en confiance. On est bon? Ça a été check? Je crois que ça a été check. Allez, go. Do it, go! Let's move! So far, so good. Je crois que j'ai juste flash ma propre équipe, en fait. C'est pas grave. Madre de Dios! C'est qui a dit Madre de Dios? Ça me plaît qu'à moitié, ça, hein. Ouais, bah à mon avis, j'ai juste flash mon équipe, en fait, parce que les autres sont rentrés beaucoup trop tôt. Bon, c'est pas encore tout à fait au point, leur délire, hein. Rescue all the civilians, bring order to chaos. Ok, donc j'imagine que les derniers vont être dans cette salle, ici. C'est une grande salle, en plus. Du coup, tu vas me passer le miroir, ici. Ok, et le bleu, avec moi. À mon avis, ouais, ils vont être là-dedans. Behind you. Alors? One person unarmed. Ouais, mais jamais. Personne n'est innocent. Donc, on va prendre rouge. Tac, passer en rouge ici. Open bank clear Red. Aussi. On my order. Ready, bang. Open and clear. Voilà. On est bon? Allez, on est bon. Initiate action. Double bang.
Suspect in sight. Oh mon gars. Avec les bangs qu'il a mangé lui. Il va bronzer direct. Allez connard, allez connard. Joue pas au con avec moi poteau. Ok c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Impeccable. Il y a son nom gravé sur le mur, comme à Hiroshima, ouais. Voilà, normalement c'est bon là. Normalement je suis bon là, non? Yes. J'ai tout récupéré. Ah non, il manque une evidence. Et bah c'était ça. Voilà, regarde. 18 sur 18, 14 sur 14. Et j'ai quasiment tué personne. Et bah voilà. Putain. Qu'est-ce que j'ai pas eu là? Player uninjured. Ouais, bon, j'ai pris une petite baloute. Alors, c'est pas grave, ça. No officers down, c'est bon. Suspect incapacitated, c'est bon. Arrested, 6 sur 9. Ouais, ouais, c'est les trois. Ouais, les trois autres, ils se sont pris de la cartouche, hein. Mais bon, écoute, ils bougeaient plus, c'est ce qui compte, non? Bon, bah, on est bon, Master Sweater. D'ailleurs, ouais, l'émote va pas arriver tout de suite, mais je vous ai dit, hein, il y a l'émote Master Shooter qui devrait arriver dans pas longtemps. Et je sais pas comment ça marche trop les timings avec Twitch, mais ça se trouve on l'aura peut-être pendant ce stream ou je sais pas, peut-être demain, je ne sais pas. Donc s'il y a quelqu'un qui a envie de reload des fois le stream pour voir si on n'a pas l'émote, c'est possible. Alors, l'hôtel des sœurs de la merci, de rien. Au merci, au meurt de rien. Allez, briefing, ta gueule. Let me have your attention, team. About 2 hours ago, group of armed men attempted to rob the post office at the corner of Watts and Lonsdale. They were confronted by an... donc, ok, ils ont essayé de piquer, enfin, de braquer une poste. Et puis j'imagine qu'ils se sont barrés... ouais, c'est ça, ils ont tiré quand même sur les officiers, ils se sont barrés chez les sœurs, dans une église. Faut vraiment pas avoir de chatte, hein. Ok, bon ouais, c'est une espèce de d'institution en fait, d'accord, je vois, ils sont bien armés mais désorganisés, c'est pas mal ça, ça c'est pas mal, ça peut nous aider ça. Tu sais lire avec l'accent écossais, non? The suspect appeared well armed and disorganized. Ça c'est plus irlandais ça. Security guard reported seeing at least 5 individuals carrying automatic rifles and shotguns. It's disgusting. Who took a shit? It's disgusting. Ok, donc on peut choisir l'entrée avec laquelle on va prendre, mais je pense qu'on va passer par la front entrance, hein. On l'avait pas déjà fait, ça. Non, c'est bon, je crois que c'est bon. Ok, les suspects. Il y a aucun suspect. Pour l'instant, c'est juste des braqueurs, en fait, hein. Civilians, il y a lui. D'accord, ok. Donc, il y a que lui. Il y a que lui comme civil. Ah, s'il y a que lui, franchement, ça va chier, hein. Donc... Ça, le call a été fait à 9h04, 9h22, les premières unités sont arrivées. Ils ont essayé de parler avec eux, et à 11h32 quand même, il y a eu un petit moment entre le contact et les guns. Hein. Et nouvelle équipe... Vous allez me faire entrer dans une église avec un lance-grenade? Vous allez me faire entrer dans une église? Dans une église? Avec un putain de lance-grenade? T'es sûr de ça, poteau? Est-ce que t'es sûr de ça, poteau? Parce que là, ça va chier, là. Parce que là, ça va chier, là. Alors, attends, dis-moi, c'est quoi? C'est où? Déjà, c'est où? Non, je veux ça, par contre. C'est dans quoi? C'est dans quoi? Je veux ça, moi. Je veux ça, à la place de l'Opti-Wand. L'Opti-Wand de la chance. Oh, tu vas pas me dire que ça remplace quand même une arme primaire? Bon. Ah, d'accord. C'est quoi, bâton? Oh putain, c'est une cartouche qui tire 3 bâtons en polymère. Ok. Flashbang, CS et Stinger, ok. C'est un flashball. Mais écoute, mon gars, ça va flashball vénère là pendant... Ok. Et bah écoute, tu sais quoi, si on part en flashball, ça veut dire qu'on va partir... Less lethal shotgun. Je pense qu'on en avait parlé dans les streams de SWAT 4, mais j'ai envie qu'on y revienne quand même. Le fusil de chasse, c'est pas un fusil de chasse non létal, c'est moins létal. Et ça j'aime beaucoup. Les autres, on va leur filer pareil. Tu vas voir, lui, il va aussi avoir ça, et lui, il va avoir une aussi, mais avec des flashs cette fois-ci. Voilà, ça c'est impeccable. Et en secondary, quand même, on va prendre ça là, le petit, je sais pas quoi. Il dit 9 mm handgun, c'est un petit peu. Un petit peu con, mais c'est pas grave. Allez, start. Let's go. On est parti. Normalement, c'est 11h30. Je sais pas si c'est 11h30 de la nuit ou 11h30 de la journée.
Adam, this is Central BCC. Ok. Adam Boy, truck 1, responding code 2 to 796 Newbury Street. Non, c'est de nuit encore. Sierra 1 reporting. I have an unknown in sight. Ouais, c'est bien de nuit. Bon, alors toi, t'as une unknown de sa, en sight. Oh la vache, ils sont bien armés, ces cons. Tiens, mange ta gueule. J'ai dit, mange ta gueule. Il y en avait un derrière aussi. Sierra 2 reporting, suspect spotted, side 2, level 2. Toi aussi, t'en vois un, toi, là? Attends, je vois que dalle, moi. Lui, là-bas, là. Oh, ok, et ça a l'air plutôt bien. Allez, let's go, les gars. Element, fall in and stay close. C'est parti. Mon gars, ça va flashball, mais tellement vénère, quoi. J'ai hâte de tirer sur un truc avec. Après, je comprends les flics, quoi, parce que j'ai tellement envie de défoncer un mec, là, que je comprends les gars qui se fassent un petit peu de zèle, genre, c'est bon, ils nous foncent dessus. Ah, ça fait... Ah, c'est marrant. Ok, je recommence. Ok. Et en plus, ça les fait se rendre plutôt rapidement, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Ça me fait plaisir. Where's my goddamn lawyer? Il loue ton gun. Il loue ton gun aussi, par contre. Où est-ce qu'il est? Attends. Je vais lâcher une petite craquinette. Il loue ton gun. T'avais pas un gun? Fous de ma gueule. Il loue ton gun? Tu l'as caché où, espèce d'abruti? Je vais foutre une craquinette ici aussi parce que... Bah alors? Et tu l'as mis où ton gun, espèce de con? Dommage qu'il tire pas de HE. Bah oui, c'est ce que je pensais aussi, mais... Bah il a pas de gun. Ouais, all evidence secured, j'ai l'impression que... Bon, on verra plus tard. Y'a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais pas s'il y a quelqu'un. Allô? Tout le monde se couche. Tout le monde en l'air, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Non, c'est bon, y'a personne. Y'a un nounours ici, qu'est-ce qu'on fait, chef? Petit rouleau de PQ. Bon, écoute, on est bien. Et puis en plus, on est sous la protection de notre cher Jésus-Christ, hein. Pip. Ok. Easy. Ça mène là, très bien. Alors, je pense qu'on va avoir des gros problèmes au niveau de la salle principale, parce que ça va être du coup une grande salle d'église avec des prie-dieu. Et en général, c'est un peu compliqué. Tac. Allez, gars, rouge, ici. Stack et clear. On my order. Le bleu avec moi. Fall in. I'm with you, my man. I'm with you, my nigga. Ah, y'a pas d'autre entrée. Non, c'est bon, on est con. Attends. Des prie-dieu. Des prie-dieu, c'est les sièges en bois, là. Open, gaz and clear. Pourquoi pas, allez, hop, on tente. Gas and clear. Check. Gaz et flashbang, quand même. Enfin, et flashball. Comme vous regardez tous. Ok, ça s'est passé super bien, ça s'est passé super bien. Pas si bien que ça, pas si bien que ça. Beaucoup de chance, toi. C'est marrant, on dirait un pistolet Nerf. Par contre, j'ai vraiment pas confiance à lui qui s'est barré là. Est-ce que vous pouvez me les ziquer par contre là? Qui c'est qui a ouvert la porte là? Y'a quelqu'un qui a ouvert la porte? Oh le con! Putain, mais il va où ce con? Attends! Mais. Oh! Putain, il a essayé de libérer son pote! Arrête! Dis-moi que j'ai pas vu ça! Dis-moi que j'ai pas vu qu'il essayait de libérer son poteau, mec. Et non, j'ai bientôt plus de munitions avec ces conneries, moi. Oh, l'autre, il a cru qu'on jouait au freeze tag. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi? Léon. Tiens, allez. Couchez. Couchez, Claude. I'm an old man, I got my shit. Don't fuck. When I sit on the toilet, my balls touch the water. Voilà, ça c'est bon. Je vais essayer de pas flashbang le vieux, parce que sinon il va partir en morceaux. Ce genre de vieux, en plus, il frite au cul, il dégringole. En plus, ils ont niqué le billard. Non mais alors, ça, les mecs, ça te fait marrer? Trop du cul, va. Civilian has complied. C'est ultra vénère. Ah, je sais pas, je trouve ça plutôt, plutôt nécessaire. Il a piqué un peu la Yadar. Tiens, je t'ai laissé une craquinette, Yadar. C'est cadeau. Alors, tu vois quelque chose, Reynolds? Ryan de ton prénom?
No contact. Allez, go. Clear. Go when ready. Copy. Allez, on sépare pas, on sépare pas. Moving. Go. Put your hands up and get down. Police, put your hands up. Trailers, continuing. Ok, on a l'air plutôt bon pour l'instant. Est-ce que j'ai un... Putain, j'ai une lampe torche avec mon flingue, mais... Je m'étais promis de jamais tirer sur les ennemis là. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose de vraiment super clean. J'ai l'impression que ça va là. Ok, il y a une sœur là. J'ai cru voir un mec au fond. Oh, police, on your knees. Ça c'est un vieux ça. Ah, c'est un vieux ça. J'ai l'impression que je vois un mec au fond, mais... Ok, pour l'instant c'est bon. These bad days too will end. Oh bah c'est mignon comme truc. Russian smells. Russe smells. Attends, j'aimerais qu'on en reparle de ça là. Comment? Est-ce que tu peux aller niquer ta mère par contre, espèce de sale enculé? Mais attends, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ready, bang. Open and clear. Ah bah du coup je vais right tous on. Les buter hein. Ah bah là je suis obligé. Attends, ils font des tailles ou ils me chlassent, attends. Russian smells. Get your ass down. On the ground. Police, get down now. On the ground now. Ok. Il y a beaucoup trop de civils, j'aime pas ça. Il s'est rendu là-bas. Ok, c'est clair, c'est que les civils. Ok, c'est clair. Putain, la bande son, elle est vénère, là. Tout. Ok. Bon, c'est pas mal. I want my lawyer. Qu'est-ce qu'il va faire, ton avocat? Ah non, je vous assure que c'était pas lui qui avait une arme et qui était en train de violer des vieux. Je vous promets. Par contre, est-ce que vous pouvez m'aider à les schlass? Parce que c'est un peu long avec mes menottes, moi. Lui, là, voilà. Impeccable. Des fois, quand je loupe des missions, je le fais un peu à la Breivik aussi. Enfin, je le fais un peu à la... Tu sais, les troupes de l'UBCS, d'Umbrella, UCBS, je veux dire. Tu sais, Umbrella Corp qui balançait les militaires pour tous les chlasser, tu vois. Et j'aime bien, des fois. Genre, t'as les mecs au sol, ils font « Oh, aidez-moi !» Nos Russians. Y'a quelqu'un là-bas ou quoi? Je vois que dalle, sans lampe torche. Non, c'est bon. Ok, on est clair. Ok, bon, toute la cuisine est claire pour l'instant. UBCS, Umbrella Corp. Non, c'est UCBS, non? Ceux qui font les colis. C'est l'enculé, ouais. Ok. Est-ce qu'on a noté tout le monde? J'ai l'impression qu'on a noté tout le monde. Salut MTE! I want my lawyer, on aurait dit Alex Jones. Turn the fucking frogs gay! I want my lawyer! Ok, je vais visiter tout seul parce que j'y crois qu'à moitié la porte là. J'aime pas cette porte. C'est une porte qui mène à un couloir, comme j'imagine toutes les autres portes là, non? Ça, c'est juste des chiottes. On va y rentrer avec le flashball, on sait jamais. Coucou! Je vois rien! Coucou! Y'a rien! C'est bon, ok, on est bien, on est tranquille. Je vais visiter ça tout seul quand même au cas où. J'ai crié sans faire exprès. Je suis sûr que ça arrive aussi IRL. Moi ça m'arrive de crier sans faire exprès hein. Ça j'imagine que ça mène aussi dans le grand hall. Ouais ok d'accord. Ok. On en est où là? 10 sur 12 reporté au TOC et 3 sur 5 evidence secure. Donc j'imagine que il y a un mec qui avait deux armes sur lui. On fera un petit tour d'inspection après. Est-ce qu'il avait deux armes sur lui là? Non, ça c'est pas un terroriste là. Lui c'est un terroriste là. Casse-toi. Ok, il avait rien sur lui. Bon et bah écoutez, pour l'instant ça va. Allez on monte. Regroup on me. Le grand hall avec une chaussure noire. Oh, très belle référence vidéo ludographique. Allez go les gars. Allez go les gars, c'est rigolo à dire ça. Ok. Ok, chut. Doucement putain. Ah mais c'est lui oui qui avait un truc. Oui ok. Parce que je les chlasse. Oui d'accord. Ok. Let's play miroir là-dessous. Use the wand. Check. On it. Need to get into position. Attends. Hop. Voilà. Ok, il y a deux bâtards là. One person unarmed, mais là je le sens pas là. C'est arme de ouf là. Comment on va faire ça?
J'ai envie de dire open, sting and clear. Ça va être un peu vénère, il y a peut-être y avoir du bordel, mais écoute. C'est quoi, regarde. Merde. Non. Je suis en train d'aider. Oh putain. Suspect is compliant. I got my eye on you, punk. Oh putain. Ça lui fait un vieux tunque sur le casque de mon pote devant en plus. Ridicule quoi. Bon, il me reste une cartouche de flashball, je veux dire. On en est où là? 13 sur 14, 6 sur 7 au niveau des evidences. Normalement, on devrait être bien aussi quand même, hein. Parce que je me souviens que j'ai aussi chelasse quand même un mec à travers une fenêtre. Est-ce que c'était là? Bonsoir. Ah oui, c'était là. Et normalement... Voilà, ferme ta gueule, toi. Déjà, quand on a des cheveux comme toi, on ferme sa gueule. Regarde, je suis en train de te menoter sous Jésus, est-ce que c'est pas mignon? Voilà. God, it's a soul! Bip. Voilà, impeccable. Bon, ça c'est bien. Maintenant, miroir là-dessous. J'ai bien fait de les ken avec Sierra, quand même. Ça va? Elle va pas, ta cagoule. Hein. Aucun respect. Mission failed. Meep. Oh bah merde. One person unarmed. Ouais, mais on est tous armés avec. Don't let the love die. De quoi? C'est quoi? C'est qui? C'est Willy Denze? De quoi? Je suis sûr que c'est un dev ou une connerie comme ça. Ah t'es open gas clear, on est bon là. UCS! Let's fuck him up! Hands up! Let's roll! On the ground, now! Get down! Hands in the air! C'est le vieux, ça? Ouais, c'est le vieux, lui. Ah, fuck! What the fuck is this? En fait, c'est super grand ici. C'est super grand ici, mec. Est-ce que j'ai tiré sur mon pote? J'ai tiré sur mon pote! Je croyais que j'étais malin. Je me suis dit, hihi, je vois sa cuisse. En fait, je suis juste un gros abruti. Donc, ça déjà, c'est plus ou moins définitif. Je me disais aussi, tiens, c'est marrant, son camouflage, il est un peu plus sombre que le reste. Bon, cette fois-ci, j'ai plus que mon espèce de Sigma, là, donc ça va être charmé. Hein. Y'a quoi ici, là-dessous, là? On va checker les portes maintenant, hein. Tu balances des grenades, tu tires sur les alliés, un vrai flic. ça c'est un petit vieux de l'autre côté. Oh, je vais pouvoir m'en charger tout seul, c'est bon. Y'a quelque chose là-bas ou quoi? No one in sight. Bon bah écoutez, vous chelassez tout ce qu'il y a là-dedans, avec une bang on sait jamais, et moi je vais m'occuper du petit vieux là. Ok, c'est bon. Il comply. Toi, tu te couches là, Robert, Cosby. Couché, Cosby. Cosby, je vais te gazer ta race. Je vais... Allez, couché. Voilà. Voilà, c'est bon. Et B. Ils m'ont fait stresser les vieux, là. Ok, ça c'est plutôt bien, on est bon. Personne n'est blessé, ça veut dire que l'autre porte s'est bien passée. Merde, il était allergique. On est souvent allergique au gaz CS, poteau. Hein. Y'a qui ici? Que dalle? Ouais. J'ai fait tomber un truc, je crois. Ok, y'a rien. Et ça mène à la salle en dessous qu'on n'a pas encore visité. On n'a pas visité la salle principale de l'église pour l'instant encore. Du coup, c'est pas trop mal, parce que je pense qu'on a bien déjà libéré le truc. 19 sur 19, 7 sur 7. Ok, donc déjà, on n'aura rien à récupérer quand on aura fini. Regarde. L'intelligence de l'homme, regarde. Tout. Ah, c'est juste une porte, c'est de la merde. Ok, go. Drop the gun! Do it now! Drop your weapons! Police, drop your weapons! Shoot them!
Shoot him. Bon, c'est la merde. C'est la merde, les gars. C'est la merde, les gars. Merci pour le resub, Redson. Merci, mec. Merci beaucoup, man. Je vais reprendre le pepper spray. On peut pas les attirer en faisant un petit cri de femelle terroriste. Putain, il y a des bruits, il y a des bruits d'angelots là, il y a des bruits d'angelots là. Police on your knees. Ça va être la merde quand on va rentrer, les gars. Get those hands up. No. Get out. Get those hands in the air. Là, j'ai plus de grenades, j'ai que dalle. J'ai que ma gazeuse en fait, il me reste que ma gazeuse. Police, get down now. Yo, fils de pute là. Attends, il reste un bâtard là normalement, non? Il est parti par où? Tu l'as vu toi? Violentez-le s'il vous plaît, violentez-le, il me stresse l'autre là. Bon, il s'est barré apparemment, il a fermé les portes derrière lui en plus. Couché. Allez les gars, ok, c'est bon, on est bien. Bon. Il en manque un, ça me stresse là. Il est parti par où ce con? Il a même fermé les portes derrière lui quoi. Je crois qu'on a affaire à un expert. Attends. On va faire ça tranquillou là. C'est lui en... Merde. C'est lui en fait, il a caché son flingue et son gun. Ah, son flingue et son gun en plus. T'as trouvé? No contacts visible. Bon, il est pas là. Hein. Understood. I got it. Go, les gars. Yes. Je t'en supplie, mec. T'es vraiment un gros fils de pute. T'es vraiment un gros... Putain, en plus, il avait une M4 de flic. T'es vraiment un gros fils de pute, mec. T'as de la chance que je te chlasse pas maintenant. Putain, j'ai deux blessés. Fuck. Bon, du coup, il reste des gens qui sont pas menottés, là. Il y a des petits cafards, en plus, par terre. C'est dégueulasse. Damn, cops. Ok, on est bon, quoi. J'espère qu'il a pas libéré des potes à lui, parce que sinon... On a tout noté. Donc, du coup, il doit rester soit des gens qui sont pas menottés, soit des terroristes. Bring order to chaos, rescue all the civilians. Normalement, les civils c'est bon, donc il doit rester peut-être un mec encore non chlassé. Est-ce que tu peux te barrer? Est-ce que tu peux te pousser, s'il te plaît, gros cul? Merci. J'ai pas ouvert cette porte, moi. Hein, je l'ai pas ouvert cette porte, moi. Si? Hein, peut-être que si. Quand même vérifier parce que. Non, c'est bon, les mecs, c'est bon. Les deux blessés, c'est pas ta grenade qui... Non, y a pas de friendly fire par grenade. C'est uniquement avec les armes. Ils sont vraiment pris une rafale, en fait, parce que j'ai pas fait gaffe. Je l'ai pas gazé assez vite. Je pensais que gueuler, ça allait suffire, mais ça, là, pour le coup, ça a pas suffi. Il est pas rentré là-dedans, lui, là. Get down. Non, c'est pas gay down. Get down. Ok. Get down. Ok, voyons voir au-dessus alors. Il y a quoi dehors? On voit dehors là ou quoi? Il y a rien, c'est juste un petit... C'est un petit espace. On y va lentement, les gars. Il y a la lumière de Jésus qui nous sauve. Ave Marie. Seigneur Dieu, si vous êtes présent, écoutez ma prière. On n'est pas passé par là, je crois. Il me semble. Allez, open gaz, on va être sûr qu'on est passé au moins. Ça va? Vous c'est bon? Si, je suis passé par là? Bah... Mais qu'est-ce que vous foutez là, bande de cons? Mais putain, j'en ai marre qu'à chaque fois ils se foutent de ma gueule. Putain! Oh les gros bolos! Oh là là! Ok. Bon, et eh ben je sais pas trop ce qui se passe. Pourquoi il y a pas de.
Là, y'a rien d'autre, y'a rien de nouveau là? On a rien de nouveau là? Rien de nouveau? En bas, rien de nouveau? Mais c'est pas celui que j'ai chopé dans le couloir qui est parti en courant là? C'est pas lui? Hmm. Seigneur Dieu, si vous c'est. Vous avez pas ouvert? Bah, c'est-à-dire qu'on allait faire, mais vous êtes parti, alors on s'est dit que vous avez besoin de nous peut-être? Les gars, vous pensez pas qu'il fallait ouvrir la porte et chlasser? Ah non, il a dit on y va. On y va, ça veut dire on se casse. Vous inquiétez pas, mission accomplie, les gars. Let's go home. En randonnion, c'est entre la randonnée et le rhododendron. Et vous savez qu'en randonnion, ça vient d'un mec qui s'appelait le général Oignon ou un truc comme ça, ou un major. Non, je crois que c'est un général. Et du coup, il était très très sévère, notamment dans ses, dans ses rangs, quoi, dans la façon dont il gérait ses troupes. Et le rang d'oignon, ça veut dire un rang extrêmement serré, extrêmement droit, parce que le général Oignon, il cassait les couilles à chaque fois. C'est pas une blague, hein. C'est pour ça que ça s'appelle le rang d'oignon, ça a rien à voir avec les fruits et légumes. Bon, y a rien d'autre ici, en fait, j'ai l'impression. Donc, écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais... Copy. On it. Hmm. On the ground, now. Trailers, move in. Personne toujours? Toujours rien? Oh putain! Oh putain! Oh putain! Mec, je sais pas comment c'est passé, j'ai même pas visé, c'est passé tout seul. En plus, c'est super dur de tirer sur quelqu'un dans SWAT 4, putain, oh la vache. Ah, c'est même plus du moonshot, c'est autre chose, là. Je me détends un petit peu, il me faut une gorgée, là, il me faut une fragmovie de cette scène. Ah non. Oh putain. Oh la vache. Ok, let's go. Alors... Auditorium, Seller Street Auditorium. C'est quoi un auditorium? Je sais pas ce que ça veut dire, auditorium. Listen, approximately 45 minutes ago, a group known as Citizens Against Satanic Music, or CASM, stormed a rock concert at the Seller Street Auditorium. D'accord, c'est vraiment un magasin de musique, d'accord. Donc c'est littéralement des illuminés, c'est ça? The band called Devil's Playthings fled the stage but was closely followed by the suspects. They claim now to have the band hostage. CASM have long been a vocal opponent of rock music, occasionally clashing with police during protest, but they've never resorted to this level of violence before. They've been sending the band hate mail for some time, and it looks like the band's latest album, Die for the Devil, pushed them over the edge. They want to take it off the store shelves. These guys, ok, d'accord. Donc c'est juste des, ouais, c'est des petits cons, quoi. Mais apparemment, ils sont extrêmement bien équipés, comme de par hasard, d'accord. Donc ça va être juste les mamans contre le rock, mais ils vont tous être en Kevlar et en Flora, d'accord. Je vois le délire, ouais. Apparemment, il y a au moins 4 suspects avec des armes automatiques et des déguisements. Ok. Apparemment, il y a peut-être aussi des blessés avant. Ok, d'accord, ok. Et ils sont nerveux en plus, donc il va falloir y aller très, 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 très doucement. C'est les cathos, ceux qui run la page FB anti-métal, grave. On va rentrer par l'arrière, je préfère. Parce que là, c'est main entrance. Ça va nous faire passer directement. Attends. C'est quoi, c'est le niveau 1, c'est lequel, putain de merde? Je sais pas, c'est pas, on verra plus tard. Andrew Norman, ok, c'est un caucasien en plus. Salope de blanc, là. Norman is no member of CASM and has misdemeanor conviction for mail fraud. He has frequently singled out devil's plaything on CASM internet site. Non, non, non. Ok, les cellules, on s'en fout, la timeline, on en est où? Les suspects arrivent à 20h05, à 20h11, les patrouilleuses arrivent. 20h23, périmètre est établi. CNT arrive à 32, 35, on a les demandes. C'est quoi les demandes d'ailleurs? Suspects issue initial conflicting demands. Ils savaient pas. On veut 500 francs, 1000 francs et 1 mars. Et ils ont commencé à tirer à 20h49. D'accord, ok. Et on a du coup les ammo pouch. Donc à la place d'une grenade, tu peux porter ça. Et ça permet en gros. Et bah tu sais quoi, on va faire ça tout de suite. À la place. On va garder les deux flashs. Par contre, on va se foutre que des stingers. Voilà, et ça, un ammo pouch,
Comme ça, ça va nous permettre d'avoir plus de cartouches de flashball. Et ça, c'est bien. Et du coup, je pense qu'on est bien pour l'instant. J'ai l'impression que ça porte plutôt ses fruits, notre truc, vous pensez pas? À moins qu'on prenne plusieurs Leslie ton shotgun. Je sais pas trop. Non, ça a l'air plutôt bien. Allez, go les gars. Go les gars. Une page constituée de trolls trop marrants. Allez. Normalement, on rentre directement par l'arrière. Moi, j'aime bien. Eh, mine de rien, la mission d'avant, on l'a faite sans aucun problème du premier coup. Hein. J'ai pas envie de faire le mec qui s'envoie des fleurs, mais merde, j'ai crié sans faire exprès. Ah, y'a un contact avec Sierra? Qu'est-ce que c'est? Sierra 1 ou 2? J'ai pas vu. Ah, Sierra 2! Eh bah écoute, je vais peut-être lui foutre une petite cartouche, non? Non, tu sais quoi, on va essayer de faire ça proprement. Allez, on fait ça proprement. Alors, où est-ce qu'on est? On est... Eh ben, je sais pas, c'est pas marqué. Super. Ça, c'est génial. Bravo, les mecs. Allez, sur moi, les gars. Fall in on me. With you, sir. J'ai l'impression qu'il y a des tirs. Non, ça doit être la télé, c'est rien. Pas de problème. Ok, c'est rien, vous inquiétez pas, les gars. Over there. Ah. Vas-y. Montre-toi. C'est à la couille. Police, on your knees. Is it working? Je crois que j'ai juste foutu un flash. I can see one of them. Drop your weapon. Get those hands up. Je l'ai eu ou pas? Il a mal ou pas? Non, il a pas mal. Il fait semblant. Il fait pas semblant, c'est bon. Get down. Je vais essayer d'aller choper son arme avant... Ok, normalement on est tranquille, ok. Au pire, il fuit, mais c'est pas grave. Est-ce que tu crois que je peux me noter par là? Passez vos mains, s'il vous plaît. Merci. Ok, c'est bon. Sur moi, les gars. Voilà. Pekeb. On va visiter juste le reste du sous-sol avant de continuer la suite. Agent des 2K. Waouh. Oh, ça c'est trop bien ça! Kick Puncher 2 Return of the Foot Fist! Ah, mais c'est dégueulasse, c'est son pied! The Benefactors. There is nothing they do not know, nothing they do not see, nothing they do not control. Ok, c'est bien. The Model Sons. Ok. Bref. C'est quoi ici? Quelque chose. Mais non, pas KKK Puncher, Kick Puncher! Oh merde! Il est connard là! Drop your weapons! C'est vraiment, j'ai l'impression que des fois mon flashbang il fait rien. Enfin, à chaque fois je dis flashbang. Suspect running. T'inquiète, on se débrouille à 100. Il a droppé son arme ou quoi? Je sais. Y'a un gars qui se rend tout au fond là-bas. Ça, j'aime bien. Drop the gun. Do it now. Oh la vache, j'ai énormément de chance. Je crois que j'ai énormément de chance en fait là. Oh là. Ouais, j'ai énormément de bol en fait parce que. Ah putain. Ta gueule. Sur moi les connards. Qui c'est qui gueule? Pourquoi tout le monde gueule? D'accord, je vais sortir mon calibre parce que là ça commence à me saouler. De rien voir là. J'ai hâte de voir la vision nocturne, putain. Ton charisme sans précédent les impressionne. Je suis rentré en disant « Vos armes, s'il vous plaît. » Ils ont fait oh « Bambino, quoi. » C'est moi et personne d'autre? Sur moi, les gars, putain. Ok, lui, il s'est laissé tomber. Bon, c'est pas mal. Dude, the guy with a gunny. Ok, attends, c'est bon. Je crois que mes hommes sont en train de se latter contre des trucs. Ok, non c'est bon. Je crois qu'il y en a un qui s'est barré par la barre, Marc. Le Cairn, il est espion. J'ai eu tellement de chance. J'ai eu tellement de bol. Qu'il soit un peu con, lui. J'essaie de clair maintenant parce que j'ai peur que ça m'arrive dans le cul en fait. Ok, c'est bon.
C'est la merde, hein. Je vais vous avouer que... Je contrôle vraiment rien du tout, quoi. Ces hurlements m'énervent. Oh, mais sois un petit peu tranquille. Ah, ok. La gueule. C'est vrai qu'il est chiant, lui. Non, j'avoue, il est chiant. Allez sur moi, les gars. One of the gunmen. There. Ouais, mais j'ai pas le temps là, tu te démerdes. Elle a gravement mangé, d'accord. J'imagine qu'on rentre dans une salle avec une nana avec des trous dans le bide et qui saigne, et le mec il dit: oh, j'en ai une nana ici une fois. Ça te fait rire, toi? Get down, hands in the air, get down direct ou je te kill. Ouais, c'est bon. Oh, Matt, les posters, mais c'est les mêmes, non, posters? Hope, one man's dream could save the world. Roger, we'll come in when it's clear. Hope, they make a sequel, ok. Y'a quoi l'autre? Dean of the Dead. Ça aussi, c'est tous des devs, là. Ça, c'est tous des devs, ça. Mais oui. To be sure, ok. Devil's Playthings, ok. Sympathique. Ouais, et puis ça on connaît. Très bien. Ok, on en est où niveau 12 sur 17 TOC et 4 sur 5 Evidence Retrieved? Il va falloir qu'on fasse un petit tour après, je pense, encore, mais normalement c'est bon. Oh la vache, je l'ai vu dans le miroir, dis donc. Ils sont peut-être complètement niqués, ils voient l'inframonde, mais je l'ai vu dans le miroir, le mec. Ok, c'est bon. C'est bon, tranquillou. Ça se passe plutôt bien. Enfin, plutôt bien. Si, oui, ça va. Il y a pire. Heureusement qu'il y a les miroirs qui phasent là, parce que... Ok, normalement là. On est déjà passé ici, normalement. Ah bah, apparemment non. Tu l'as droppé? C'est bon, attends, on va juste clear avant le reste. C'est bon, le reste est clear. Que fait le moi, lui, l'enculé, là? Il est vraiment bien, ce flashball. You're a cop. How can you sanction satanism? Allez, les mecs, ils pensent vraiment, tu sais, qu'on n'est pas sataniste. Alors qu'on l'est complètement. On se nourrit uniquement de la souffrance des gens. Et des bébés morts. Pas besoin de t'excuser. Drop. Putain, il a le Mac 10 dans Pulp Fiction. Ok, ça c'est plutôt bon. Lui, il devrait pas partir parce qu'il a trop mal aux côtes. J'ai mal aux os. Ah bien, lui. Attends, on est déjà passé ici. Ah oui, j'ai oublié le keuf, lui, dis donc. Des bébés morts, des bédouins, quoi, en fait. Y'a rien d'autre ici, j'ai rien forget, là. On va faire un petit tour du propriétaire avant, quand même. Ah, voilà, j'avais oublié lui. Les gens au sol, je les avais. Toi, c'est bon. Mais qui c'est qui parle? C'est toi qui parle? Ça te fait rire? Le gars, il me regarde, il fait... En plus, il a le cri en boule, comme dans Blood Freak hier. Quelque chose... Mec, t'as entendu Reynolds? Reynolds qui a dit: oh, la porte, elle essaie de s'ouvrir. Oh, j'adore. Les abrutis. C'est vraiment l'équipe de bras cassés, quoi. Chef, quelqu'un essaie de me forcer la porte. Ah, moi aussi, merde. Ok, bon, écoute, je pense qu'on va monter maintenant, les gars, hein. Allez, sur moi. On va y aller, d'accord. Donc on va pas monter ici. Pardon, cassez-vous, pardon. Bah si. Ça se trouve, en fait, il y a même pas d'étage. Ça se trouve, je suis en train de flipper depuis tout à l'heure, mais il y a aucun étage, en fait. 20 sur 24, 7 sur 8. Eh ben putain, la vache, il me manque des trucs. Il me manque toujours une arme. Bah! Mais! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais comment t'es mort? Mais fais gaffe à la poubelle, quand même! Mais!
Il a trébuché ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, mais... Ouais, ouais, c'est le narcoleptique, c'est Girard, je crois, non? C'est Girard, c'est toujours Girard. C'est littéralement toujours Girard qui se viande. Bonsoir? There's a guy with a gun here! Oui, bah c'est moi. Attends, je vois vraiment que dalle. Oui, mais oui! Je sais. Ou alors il parle d'en haut, là? De toute façon, il va falloir qu'on monte à un moment, hein, mais je sais pas comment on monte, en fait. Je suis un peu paumé, là. Vos gueules! Putain, vous faites chier tous! Ok. Bon bah Girard a bouffé encore une fois hein, mais il va falloir qu'on monte. Allez, on monte là. C'est vrai qu'on pouvait monter là en fait, c'est le seul escalier qui mène en haut, j'ai l'impression. Oh my god, they're still shooting. Get down, hands in the air. Ferme ta gueule, couchez. Jesus, don't shoot. Celui-là il a l'air bien par contre. Ce film là a l'air cool et celui-là je pense que c'est Poons qui a joué dedans. Très clairement. Ok. Voilà, tout doucement. Allez, miroir. Right on. C'est bon, c'est pas Girard qui avait le miroir, on est bon. Regarde. Personne là? Ok. J'aurais dû le faire moi-même. Move over. No one in sight. Ok, c'est parti, les gars. Open and clear. Here we go. Pour l'instant, on n'a pas trop frais de breaching, et j'avoue que j'ai juste couru en hurlant. Go. Ça a plutôt pas mal marché, hein. Moving forward. Hands in the air, get down. In position. Non, ouais, pour l'instant c'est pas mal. Pour l'instant, ça sort plutôt bien. Sierra 1, il me semble, avait un otage en visu. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut leur parler. T'inquiète pas, j'ai un argument là. On the ground, now, get down, hands in the air. Merde, c'est encore un pote. Oh mais merde, c'est pas possible. Police, get down now. Il se goûte à goût. Entry team to talk. Civilian down. Don't worry. But breathing. Ready for evac. Je vois que dalle. Je vois que dalle. Help me, they're everywhere. Get down, hands in the air. Ils sont là ou quoi? Est-ce qu'il y en a un là? Hands up. Cops, drop your weapon. Get those hands. Drop. Ok, il a droppé, on est bon. Je pense que c'était le dernier. Ça a l'air d'être le chef en plus. C'est le mec, c'est le plus fort. Ouais, ça marche comme ça, c'est les chrétiens d'ailleurs. Hein. C'est le plus fort qui est chef en général. Hein. Oh, pour Jésus, je soulève 440 kilos. Waouh, la vache. C'est bon, on est bien. Pour l'instant, ça, c'est moyen, mais normalement, on devrait quand même avoir la note. Une bonne note. Enfin, une note suffisante, je dirais. J'en ai pas oublié là, des mecs. Parce que ça, oublier de me noter des mecs, c'est gros malus, quoi. C'est pas un nom de Romain. Centurion gros malus. Non, c'est bon. Normalement, on les a tous spotés. Comme le chat. Le chat spoté, c'est vraiment, je raconte des blagues de merde. Je dirais pas que j'ai honte, mais quasi, hein. Y'a quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un, je le bute. C'est bon, y'a personne. Ce sera un pasteur de ouf, la montagne de Game of Thrones. Ah bah, il te convertit avec un doigt, hein, si je peux dire. Bonsoir, t'as eu extrêmement de chance. J'ai senti... Est-ce que vous savez des fois où vous hésitez à faire un truc et vous sentez une petite décharge électrique dans votre membre qui doit bouger? Et bah ça vient de me faire ça avec mon doigt, là. J'ai failli lui foutre une cartouche de Glock dans la tête. En même temps, elle l'aurait un peu cherché. Hein. Allez, voyons voir ce qu'il y a derrière, là. Oh. D'accord. Lock the door. Over there. Hands in the air. Get down. Ah, j'ai entendu un PC merdé là. Oh. Ah bah lui aussi. Oui, c'est vrai que j'en ai oublié deux. Exact. C'est bon. Yes. Reject the devil. Allez sur moi les gars. Je suis désolé si je soupire, c'est pas parce que je m'emmerde du tout, hein, c'est parce que je suis très stressé en fait. Cette mission me rend très nerveux et j'essaie d'être efficace au maximum. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, mais comment il est mort lui? Je comprends pas comment j'ai fait pour le buter. Quelqu'un a fermé une porte ou... Qu'est-ce qui s'est passé là? Un mec derrière.
On va attendre qu'il soit retourné, regarde. Là, il doit me regarder, là. Là, normalement, il doit être retourné, regarde. Impec. Ok, c'est bon. Ok, c'est bien. Donc si quand tu te concentres, t'arrêtes de respirer. Soit j'arrête de respirer, soit je respire très fort, ça dépend en fait. Mais oui, en tout cas, il y a de la respiration. Hein. En tout cas, il y a clairement de la respiration. Et vous avez vu? En me notant lui dans les marches, j'ai évité de me prendre une balle par lui là, mine de rien. Est-ce que c'est pas tactique ça? Ah. Roger that, entry team. Continue mission. C'est à nous la drogue là? Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, c'est au groupe, d'accord, je vois, ouais. D'accord, je vois. Quand je me concentre, je suis en apnée moi aussi. Ça vous arrive pas des fois de faire un truc? J'ai dit check the door, tu vas checker the door ou pas? Ouais, tu check? Mirror under the door. Check. Ok, go. Des fois, quand je suis en train de faire un truc, genre, tu sais, je suis en train de faire un truc un peu balèze avec mes doigts, genre essayer de. Un petit truc. Genre mon PC, genre bricoler dans mon PC, je suis là. One suspect in sight. Vraiment, le mouth breather de base, quoi. Ok, j'ai l'impression que cette pièce-là est entièrement fermée. Du coup, on va bang et normalement ça devrait être bon. Je vais me foutre là. Suspect in sight. Go. Police, hands up now. Bon allez. Oh putain. Je parle pas anglais mais je sais pas si t'as vu, il y a marqué mission failed en rouge. Putain. Débriefing, alors qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, je suis tellement vénère, ça s'est passé super bien en plus là. Enfin non, pas super bien non plus, mais plutôt pas mal quoi. Putain. Fais chier quoi. Clairement fais chier. En plus je me suis même pas fait rentrer dans à l'endroit où je suis rentré tout à l'heure. Du coup je suis tout chamboulé là. Vraiment il y a une nana morte là. Ah elle a bougé, d'accord, elle est plus morte. C'est bon, elle est plus morte. Bon cette fois-ci avec le fusil de chasse là, normalement je suis immortel. Allez couchez-toi. Vas-y zippez la moi, on est bon là. Voilà, j'ai 72 cartouches. Enfin, j'ai 79 cartouches là. De fusil de chasse. Ne vous inquiétez pas, ça va être tranquille là. Hop. Regarde ça. On va faire ça rapidement. D'accord, tout le monde est mort, ok. C'est une catastrophe. Qui a tué qui là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois qu'un otage s'est pris une cartouche en fait. Bon, ok, on recommence. Allez, ça y est, c'est parti là. Tumbling down. Like the tumbleweed. T'inquiète. Ça se passe. C'est normal, tu sais quoi? C'est ma faute. Ok, il y a Sierra déjà qui voit quelqu'un, lui il va se manger une cartouchière, regarde. Blap! Ça tu manges ta race, et je crois que Sierra 2 on a vu un aussi, enfin Sierra 1 on a vu un. Blap, loupé. Blap, c'est bon. Blap, c'est bon. Je pense qu'on est bien, ça me fait déjà une petite avance, mine de rien. Voilà. Est-ce qu'elle est là, elle? Ah, maintenant c'est un gros. Ok, super. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, donc le flashball est pas mal, mais le fusil à beanbag est mieux. Ok. Vas-y, vous me le zippez. Vous me foutez ça dans un ziploc et on est bon là. Ok.
I took a girl on a date here once. I finger banged her in the fucking bathroom, man, fucker. Ok, ici y'a personne d'autre, très bien. Ils ont chopé le suspect, personne n'est mort. Y'a rien ici. C'est bien ces miroirs rigolos quand même. J'aime bien le principe. J'imagine que vous avez pas récupéré les. Non, les preuves, forcément. Ouais, le fusil à beanbag il est mieux déjà parce qu'il y a un. Il y a une lampe torche dessus. Et parce qu'il y a carrément plus de munitions, quoi. Et il tire beaucoup plus vite, enfin, c'est beaucoup mieux dans tous les sens, quoi. Le principe des miroirs, point d'interrogation. Mais tu sais bien qu'il y a que 10% des jeux qui font des miroirs qui marchent. Mais là, c'est cool. Ok, chut. Je crois qu'il y a quelqu'un. Voilà, voilà pourquoi il est mieux. Voilà pourquoi il est bien mieux, ce putain de fusil à beanbag là. Mr. Bean d'ailleurs, je l'appelle, hein. Voilà, ça c'est bon ça. Toi tu ramasses ça et moi je ramasse le gros là. Voilà. J'ai dit. Putain, mais ils ont du mal dans le truc là. Ils galèrent les mecs, dès que je leur donne un ordre, ils font ouais, mais je sais pas quand même. Piece of trash. I'm the trash man. I eat garbage. Ici on va check. Et ici on va check. Hop. Alors attends, bouge pas. J'ai pas confiance. Tu vois quelque chose toi? Ouais, bah écoute, j'ai pas confiance. Allez, go. Ça a l'air clear. Ça a l'air bien clear. Et évidemment. Oh là 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 là. Et non. Bingo pig. Lui il a fait un double kill. Les mecs ils ont pas bougé d'un pouce. Enfin putain, l'IA quoi. Cimer l'IA quoi. Est-ce que t'as vu comment il s'est fait chlasser sa race lui? Fuck. Fuck shit. Lui il est en train de faire du breakdance en plus. Allez, zippez le moi là, on va essayer de chlasser les autres vite. Toi ta gueule. In here. Ça court dans tous les sens, c'est une catastrophe. C'est pas grave, c'est pas grave, je vais les chercher, je vais. Hop, c'est bon, on verra plus tard pour les keufs, hein. Y'en a un qui est parti là-bas, là. Je vais les choper. Déjà, avec les deux gars down, je pense pas que je vais pouvoir avoir le maximum. J'entends des bruits. J'entends un mec courir. Ah, loupé, ça l'enculé. Oh, mec, je vais avoir une révélation à la Pulp Fiction, là. Thank God you're here. Thank God you're here. Ouh. Ok, c'est bon. Oh la vache. C'est bon. Je rattrape la situation peu à peu là. Toi ta gueule. Allez, couchez, allez. Voilà. Ça va se faire. Tant qu'on tue pas trop d'ennemis, en fait, et qu'on arrive à tous les capturer, normalement on devrait avoir un score relativement suffisant. You're kind of cute. I could suck your gun. If you wanna. I don't have any bones in my pussy. It's like fucking porridge. Ok. Par contre, ils sont où mes potes là? Est-ce que tout le monde est mort? Y'a même plus. Ah si, c'est bon. Voilà. Whatever you say, boss. Voilà. C'est marqué quoi, dude? Non, Dion. Ah, Céline. Je comprends. Ça se trouve, en fait, c'est tous des Québécois depuis le début. Hein. Ok, impeccable. Ça c'est bien. Bon, ici ça a été un peu la merde, hein. Mais bon. Et on peut pas tout gagner tout le temps, hein. Et franchement, je suis tellement vénère pour la première partie qu'on a fait sur cette map, quoi. Ça aurait pu se terminer tranquillement si j'avais pas rushé comme un con, tu vois. Mais dans la précipitation, écoute, quelque part, je suis un peu un chien fou. Tu sais, avec les liaisons dangereuses et tout, tu sais.
Putain. C'est pas grave. C'est pas ça qui vaut. Lâche. Oh la vache. Oh la vache. Oh putain. Par contre, il s'est pris une beanbag dans les dents. Je pense que IRL, tu dois être vraiment pas frais, quoi. Ok. Doucement, je crois qu'ici c'était déjà clear tout à l'heure. Tu drops ou je te bute? Je change les cartouches, je m'en bats les couilles, moi. Ok. On est bon. Tranquille. C'est du caoutchouc ou des vraies balles? Non, c'est des beanbags. C'est des genres de sachets de thé, en fait, quelque part. Mais plein de caoutchouc. Ça fait extrêmement mal, mais ça tue pas. Enfin, ça tue pas. Comme on l'a vu tout à l'heure sur le menu, c'est pas des armes non létales, c'est des armes moins que létales. Donc, il y a quand même des risques de chlasser quelqu'un si jamais tu lui tires dans la carotide, mais écoute, c'est le risque à prendre, hein. 20 sur 23, 7 sur 11, ok. 7 sur 11, putain la vache, j'en ai loupé des armes. C'est les talounets, quoi, c'est les talounets. Lui, par exemple, tu vois, il se l'est mangé dans la tête. Enfin, dans la tempe. Dans la tempe, c'est pas moins que létal, hein. C'est complètement létal même, hein. Mais c'est pas grave. Toi, je te prends ça. Je crois que j'ai oublié le flingue de l'autre en dessous, en fait. C'est pas grave, on refera un tour après si jamais on arrive à les finir. C'est pas la peine de perdre du temps maintenant à récupérer toutes les preuves quand on peut directement les récupérer à la fin du niveau, tu sais, quand on est sûr qu'on a fini, quoi. Parce que sinon, ça va nous mener. Attends, les extrémités, elle est pas là pour ça, quoi. C'est des armes létales de temps en temps, ouais, c'est ça, ouais. Elles sont létales, mais vite fait. Ça, c'est bon. Ici, il y en a un au bout. Sur ce... Eh, mec, j'ai cru que j'allais cracher. Attends, là, il faut que je décompresse. Mec. Le jeu, il a fait... J'ai cru vraiment qu'il allait cracher. Je me serais liquéfié, quoi. Dans le gros, c'est bon. Et on va essayer de finir ça en même temps. Ok, là y'a rien. Ça on verra plus tard. Ok, on verra plus tard. Cassez-vous! Casse-toi! What on the gun, man? We have suspect contact. Get down, tu vois un suspect, toi? Ah oui, y'a un suspect là-bas. Drop the gun. On the ground, now. Je sais pas si je l'ai eu. Je l'ai eu? Ouais, je l'ai eu. Ok. Là c'est bien, c'est bon. Là, ça c'est les augures, mais tu peux pas mieux, quoi. Tu peux pas plus positif. Mais franchement, pour des chrétiens, je trouve qu'ils ont beaucoup de Kevlar, hein. Je veux pas faire le mec qui analyse pour rien, mais bon. Ok. C'est vraiment beaucoup trop tendu comme jeu, en fait. Faut vraiment pas y jouer quand tu fais de la tension, parce que... Heureusement que je suis immortel, parce que sinon ça ferait chier, hein. Ah, mais en fait, non, il y a vraiment bien un deuxième étage, c'est juste que cet escalier-là, il est barricadé comme de la merde. Voilà, ferme ta gueule. Lui, je l'ai chassé tout à l'heure, c'était bien. J'ai eu du bol en plus de pouvoir le chasser, parce qu'il y avait juste un petit bout de sa tête qui dépassait. C'était bien. Ta gueule. Est-ce qu'on prend un petit Mars? Y'a quoi? Y'a des potato chips! Des barbecue chips, ok. On viendra en prendre un truc après, vous inquiétez pas. Oh, pas mal ça. Je vais voir ce qu'il y a derrière là. Et bah tu sais quoi, tu vas me bridge, bang, clear. Et on va essayer d'y aller comme ça, d'accord les gars? On dit des BBQ chips. Ah pardon, excuse-moi Alan. On rentre, on flash et on trace. Allez, go là! Je les ai bloqués sans faire exprès, ma faute. Il y en avait un là. Toi, connard, voilà, ça c'est bien. Ils sont compliantes. Ils complient de ouf là. Ok. Il y a de la bonne compliabilité. C'est bien. Doucement. Easy. Kabamwe. Je vais te donner un stylo. Oh!
I have a ticket. Ok, c'était juste un otage, c'est bon, c'est bon. Stay quiet, you. Je te donne un stylo. Rock music causes violence. J'adore. Ils sont créatifs, ces chrétiens là. Ah, du coup, le nom doit venir de là en fait. Ok, le gros là-bas il se rend. Tac dans le cul. Personne d'autre? Non, non. Voilà, zip le. Voilà. Easy, easy. Impeccable. Il y a encore le gros là. Zippez-le moi et on sera bon. Personne n'est parti là? You'll get through this. Ok. Eh, ça se passe plutôt pas mal là, mine de rien. On les zip les uns après les autres, ça se passe plutôt pas mal. J'ai l'impression vraiment que le fusil à beanbag il est schlass. Il est complètement niqué. 9 Inch Maiden. Très bon ça, petite référence à 9 Inch Nails. Très bon groupe des années 90 avec Trent Reznor qui a notamment participé à la BO de Call of Duty Ghost et autres. Il a fait plein de jeux, Trent Reznor. Il a fait notamment et surtout, je pense, son plus gros boulot, c'était sur Quake 1 avec Nine Inch Nails, où ils ont fait la BO de tout le Quake 1. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur Quake il y a des boîtes de munitions avec Nin marqué dessus, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. On prend des trucs là. Miam miam. Non, y'a pas de miam miam là. Y'a du Red Pop, Sugar Blast, Red Pop. Ok. Et là y'a des tireuses à bière qui ne mènent nulle part. Très bien. Bon, ça c'est plutôt cool. Sierra a fait du bon boulot quand même. Vous venez les gars. Be ready to move. Alors attends, est-ce que c'est là que je me suis fait buter tout à l'heure, non? J'ai l'impression. Ça a l'air de se faire plutôt bien. I'm with you. Vas-y, que fais-le parce que j'ai vraiment pas confiance là. Rentrez en premier, voilà. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de piège. Et je vous dis, on a vraiment du bol que dans SWAT 4, il n'y ait pas de piège, genre des booby traps. Parce que dans SWAT 2, dans les derniers niveaux, c'est la grosse de mer. Ah, vous n'avez pas de... Ok, vous avez pas la wand. Ok, c'est pas grave. Voyons voir. Ça a l'air ok, mais on sait jamais. Hein. Ouais, les gars. Rentrez, gaz et on voit. On avise. Allez, 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 petit cul, allez. Hé, hey. Allez, go. Voilà. Ayez confiance. Soit 2 ou soit 3, soit 2. Dans soit 2, il y a vraiment plein de pièges. Alors là, je m'en fous, c'est du gaz. Et comme vous le savez, les mecs du SWAT, ils ont pas besoin de respirer. Hop. Ah, fermé ça? Tiens. C'est ici que je suis mort la dernière fois? Et les mecs déjà chopés au bout. Où est-ce que je suis là? Attends, c'est un peu compliqué. Attends, je vais l'accrocher, je vais pas utiliser mon C2 pour ça parce que... Hop. Un petit sip in the meantime. Russia n'a pas besoin de difficultés en plus apparemment. Ah non, franchement. Quand je dis qu'on a de la chance qu'il n'y ait pas de booby trap, c'est pas ironique, on a vraiment de la chance quoi. Sinon je finirai jamais aucune mission. 36 sur 33. J'ai reporté 36 statues sur 33 outils aussi. Ce qui est très étrange. Je crois que j'ai créé les terroristes et que je les ai ensuite aidés. Mais normalement j'ai tout là. 13 sur 13, ouais normalement je suis bien là. Normalement je suis vraiment bien. Je crois que j'ai dit tout à l'heure que j'allais pas perdre de temps à report des gens et tout. Peut-être que j'en ai oublié, c'est possible. Regroup and put your hands up and get down. Là, j'ai rien oublié, pousse-toi un peu. J'ai rien oublié, c'est bon. On va descendre, on va faire le tour du premier étage, enfin du rez-de-chaussée pour être sûr qu'on a rien forget. Put your hands up and get down. Down, down. Ah, mais vous êtes là depuis tout à l'heure en fait. Voilà, putain la vache. Ils ont du mal dans le DLC à se mouvoir. Hein. Dans le premier jeu, il n'y avait aucun problème comme ça, genre de mecs qui répondent pas aux ordres et tout. Mais là, ils ont vraiment, vraiment beaucoup de mal, c'est super étrange. Alors j'espère que c'est pas un truc avec la synchro verticale ou quoi, mais... Normalement ça devrait pas, mais... Put your hands up and buy my mixtape. Ok. Get in and clear. Move in clear parce que j'ai pas confiance. J'ai pas encore envie de me faire niquer sur la fin à cause de vous, les gars. C'est bon? C'est clear ou? Bon bah écoute.
In position. C'est plutôt positif. Y'a rien d'autre ici. Ça, c'était vraiment un massacre dans le coin. Vous êtes pas assis sur des flingues ou quoi? Non, c'est bon. Ok, vous les embêtez pas. Ok. Ici, je suis déjà venu et c'était clear. Arrêtez, mais qu'est-ce que vous foutez? Laisse les valises tranquilles. Eux aussi, ils sont stressés, hein. Eux, c'est bon. Bah écoute. Y'a pas un ordre, genre démerdez-vous et baladez-vous et cherchez s'il y a pas des enculés? Ça m'aiderait bien, ça. J'avoue. Il reste des connards, mais ils sont où ces abrutis là? Là, y'a personne, ça je les tag, ça? J'avais pas vu que Tarantino allait sortir un nouveau film. Si, ouais, ça fait un moment qu'il a annoncé, hein. Et que même le scénario était. Enfin, le. Comment on dit, le synopsis était release. Mais on n'avait pas encore eu de visuel. Et là, ils ont release le visuel. Once Upon a Time in Hollywood. Ça a l'air plutôt sympa. Le scénario a l'air marrant aussi. Bon, eh ben, je sais pas où il est, le dernier connard, là. Parce que le premier Gaou, je sais où il est, mais le deuxième Gaou, déjà, en plus, on dit souvent qu'il est Nietao. Et en plus, je sais pas où il est, quoi. Peut-être que ça veut dire ça, en Wolof. Nietao, ça veut dire, il est où, en fait? Nietao, il est où? Ça peut marcher. Y'a rien ici, y'a personne? En vrai? Non, y'a personne? Bon, bah... On va retourner voir au deuxième étage si j'ai rien oublié, mais... En tout cas, il est forcément plus Gaou que le premier Gaou. Ah bah oui, non mais bien sûr. C'est pas ça que je dis, Drektan. Attends, ne mets pas des mots dans ma bouche qui ne sont pas les miens, s'il te plaît. Jamais rien dans ma bouche, parce qu'on se connaît pas autant que ça. Je rigole. Bien sûr qu'on se connaît tant que ça. Oh, dis premier... Ah, j'ai dans la tête. J'ai dans la tête, et en plus avec un accent raciste, donc... on va essayer juste de répresser toutes mes envies. Au bout, y'a quoi là-bas? Une chaise qu'il y a au bout là? Ah oui. Cassez-vous. Si je me fais buter maintenant par un mec qui reste et qui se balade, je promets que je pète un plomb et je bannis tout le monde. Vraiment, je fous la merde, je te promets. Hein. Comme 113, mais en pire. Rien, toujours. Le vieux bruit de bug Windows 98, ouais. Tunk. Ça, c'est rien non plus. Cassez-vous. Casse-toi. Voilà. Ça ferait bien chier un bug de script. Il n'y a pas de bug de script dans SWAT 4. Hein. Mais il y a souvent, par contre, des mecs qui se baladent. Et ça, c'est moins drôle. En plus, t'as vu qu'ils sont même pas morts, les deux. Hein. Sierra a dû bien viser la colonne vertébrale. C'est bien, ça. Parce que ça les tue pas. C'est plus humain, finalement. De faire des tétraplégiques. Des tétraplégiques. Ici, y'a rien. Bring order to chaos. Je sais même pas ce que ça veut dire, bring order to chaos. Parce que là, y a l'ordre, on n'entend plus rien, là. Donc j'imagine que c'est bon, y a eu l'ordre. Tu vas pas me dire que c'est encore le chaos? Tête de merde. Dehors peut-être, y'a des trucs dehors? Non, y'a rien dehors, on peut même pas aller dehors, je crois. Toi, c'est bon, t'es pris. Puis en plus, y'a même pas de map. Du coup, je peux même pas voir où je suis déjà allé et où je suis déjà pas allé. En plus, je tourne en rond, là. Casse-toi. Voilà. Ça m'énerve beaucoup trop vite. C'est pas évident, hein. C'est quoi, ça? Pourquoi ils ont une fenêtre vers l'espace? Ça sert à rien, je comprends l'envie, mais... Merci pour le sub, Whisky! Merci, Boto! Ah, mais ça va pas faire avancer le Schmilblick, ça, hein? Ben si, aller dans l'espace. Pourquoi t'as envie d'aller dans l'espace, Drektan? C'est complètement con. On est fait pour être là, hein, on n'est pas fait pour aller dans l'espace. Oh, pourquoi on essaye? Moi, je trouve ça complètement débile. C'est comme les mamans sur Facebook. Ouais, il y a des clochards chez nous et on envoie des gens dans l'espace, quoi. Non mais allô,
Il y a des trucs qui pressent un peu plus que l'espace quand même. Ça fait toujours extrêmement rire. Là, y a rien. En plus, je suis en train de sprinter un peu n'importe comment. Si jamais il y a un mec qui m'attend, il peut me complètement ruiner toute la partie, quoi. Tout seul. Pour aller dans l'espace, t'as juste à marcher au bord de la Terre. Bah déjà, oui, voilà. Puis ça coûte rien, du coup. Là, y a rien non plus. Toi, t'as que dalle sur toi. Donc t'es d'accord avec les mamans sur Facebook ? Bah évidemment. Bah, évidemment, c'est des mamans, mec. Ça a forcément raison, une maman, mec. Réfléchis deux minutes. Sans l'enculé de païen, va. Bon, en plus, tous les civils, ils sont calmes, alors je comprends pas. Tu vois, j'ai entendu quelqu'un rire, non ? Je leur mets tous une petite cartouche, ça se trouve, ça va les... Ouais, vous vos gueules. Y'a rien d'autre là, de toute façon, là, y'a pas d'autre entrée, bah non. Mec, je sais vraiment pas quoi. Je sais vraiment pas où aller. On a commencé dehors ou pas? Je me souviens même plus. Non, on a même pas commencé dehors, on a commencé à l'intérieur, mais dans le lobby quoi. Bah. Aidez-moi à trouver les derniers. Bar, balcony, main hall, ok. Pourtant c'est pas dur quoi. En plus j'ai tout chopé. Allô ? C'est quoi ça ? Y'a un rat mort. À part ça je sais pas trop. Attends, y'a une porte là. Ah non, cette porte là je crois qu'on peut pas l'ouvrir. Non, non. Bah... Mec, je comprends pas. Je suis sûr en plus, je suis sûr qu'on l'a passé genre des dizaines de fois, le truc à faire, mais que... mais qu'on l'a pas vu ou il est buggé quelque part. C'est vrai qu'il soit buggé parce que l'un dans l'autre, c'est vraiment pas un jeu qui bug facilement, soit de 4. À part évidemment l'IA qui est complètement conne, mais ça c'est pas grave, tu vois. Mais ça, j'avoue, c'est un peu plus gênant. Putain, mais attends... Mais ça, c'est franchement... Ça, c'est des carabistouilles, ça, tu sais quoi? Je suis désolé d'utiliser un langage comme ça, hein, mais... Le mec, il est dans un coin avec son fusil, il est en train de te voir passer depuis 4 heures. Il fait... Il me trouvera jamais. J'ai compté jusqu'à 8000. Ça fait pas rire, moi. Là, y'a personne, là, je vais regarder juste chaque centimètre carré de la map, hein, y'a pas d'autre choix, hein. Et je te jure, il va me trouver, il va me schlasse. Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça, en fait, tu perds patience, du coup, tu sprints partout, tu fais pas attention où tu vas, et y'a un mec qui t'attend, il te fout une cartouche et t'es mort, voilà. Comme en vrai. Qui c'est qui a dit goddamit? Vous arrêtez, hein. On dit, c'est marrant pour des chrétiens, je trouve que vous utilisez beaucoup le nom de Jésus. Enfin, le nom de Dieu. Putain, je suis en train de tourner en rond. Belle voiture, belle maison. Je tourne en rond. Tu peux pas ouvrir l'ascenseur? Non, tu peux pas ouvrir l'ascenseur. Ça se trouve, il te suit, mais à 15 mètres d'intervalle, tu sais, du coup, vous le trouvez jamais. Mais je suis certain que c'est un truc comme ça, meuf. Hein. C'est ça le pire. Get down, l'ascenseur! Oh, y a des pentagrammes. C'est comme ça que ça se prononce, hein, j'y peux rien. C'est pas cette plante là? Non. Le mec s'est pris pour un gars de squad et vous captez rien. Ça se trouve, c'est un de vous là. Toi, ça va? Enfin, ça va. Eh oui, ça va. Oh. Oh, lui, comment il est trop cool. Kereli, il ne met... Ah! Oh non! Oh non! Oh non! C'est une vanne sur le fait que R. Kelly, il a touché des mômes. J'hallucine! Oh, j'hallucine. Oh putain, aucune pitié. Aucune pitié, quoi. J'ai entendu un bruit, là.
J'ai entendu un bruit là. Quelqu'un m'a tiré dessus, non? Il y a aucun respect par contre, hein, j'avoue. Là, il y a aucun respect. Ça va toi? Man, did I get the cheap seats? Oh! Non, vraiment rien là. T'es sûr? Vraiment rien du tout quoi. Et c'est marrant, j'ai l'impression que lui, on l'a pas noté au TOC aussi en fait. Get down, hands in the air. Put your hands up and get down. Pourtant, c'est un mec, j'ai noté tout le monde, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'il manque des trucs quoi. Je sens que vous. Il se cache derrière mon tableau. Je sens que vous allez vous croiser, il va te buter en one shot. Mais le problème, c'est que je sens ça aussi, donc. Il y a bien une pièce que j'ai dû oublier de fouiller, quoi. Puis on va pas tourner des milliers d'années dedans non plus. J'aime pas ce que ça fait si je fais le débrief maintenant en plus. J'entends ces PD là. Sous prétexte qu'ils se sont pris une petite balle dans le foie, ils sont là genre. Ça me pique de ouf. Y'a personne ici? Venez les gars. Voilà. Voilà. Faut dire un truc de terroriste, il sera obligé de répondre. Crie Allahu. Allahu. Allah. C'est sûr que c'est pas toi, hein. Crazy. Oh, c'est chiant. Je me suis fait quitter ma mission pour rien. Où est-ce qu'il est, cet abruti? Franchement, je te demande juste de venir me voir, quoi. Maxime! Maxime, décroche! Maxime, écoute pas ta mère! Voilà, ça va le faire venir, ça. Franchement, j'ai pas le choix, quoi. Franchement, j'ai pas le choix. Fais le briefing, on va pas tourner pendant 3 heures. Déjà, toi, tu tournes pas, c'est moi qui tourne, enfin, ça dépend. Ouais, je pense que je vais faire ça, hein. Je pense que je vais partir sur le briefing, parce que là, là c'est nickel, là. Est-ce que je peux juste me barrer? Non, c'est vraiment abort, quoi. Oh, putain, merde. Fais chier! Bon, bah, on recommence, hein. On recommence, pas. Bah oui, bah, tant pis, hein. Là, salade de fruits, joli, joli. Non, je peux pas aller dehors, là, le truc. C'est une mission uniquement à l'intérieur. Ça m'arrange pas, hein. Ça m'arrange pas. Take cover! T'inquiète qu'on va en take des covers là-dedans, là. Je suis vénère en plus. Je suis vénère et j'ai une mission au cul, alors t'inquiète pas. Allez, zippe-le-moi. Y'a Sierra qui voit quelqu'un. Bip, headshot. Sierra 2, tu vois quelqu'un ou quoi? Toi aussi. Blap, dans le cul. Allez, c'est ça, vas-y, boîte, 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 boîte. Hop, dans le cul, voilà, 3 balles, il a souffert. Voilà, tranquille. Allez, go. Miroir, on s'assure quand même, attends. On va pas faire des carabistouilles, hein, parce que... Come swap with me. Allez, avant demain quand même, le miroir, hein, j'aurais dû faire moi-même. K Rally in A minor, c'est dégueulasse. Hein. Two arm contacts, putain la vache. Allez, on rentre et on gaz. Police, get down now. Get down. Let's move. Police, what you need? Police, get down now. Put your hands up and get down. Putain, le gaz, il remplit tout le club, quoi. Je sais pas si le deuxième s'est barré. Non, c'est bon, les deux sont là. Les trois sont là, d'accord. Oh, putain, la vache. Ça, c'est du beau travail, ça. Ça, c'est du bon travail, ça. Voilà. Et évidemment, vous allez faire un par un, putain, bande d'abrutis, quoi. Les relous. Voilà, c'est bon. Lui là, il a l'air super extrême. C'est bon. Allez, on recommence et sous les meilleurs auspices, d'accord? Ce que j'ai même envie de faire, c'est de commencer par le deuxième étage pour ensuite avoir le drop et les niquer par au-dessus. Personne là? Personne là, très bien. Ici, j'ai l'impression qu'il y a personne non plus. Non, personne, c'est bon.
Tu peux choisir de les buter ou tu es obligé de tous les capturer. Et bah si tu les captures, ça fait plus de points. En fait, si tu les butes, des fois, tu peux avoir des malus de points parce que t'as pas dit lever les mains, tu vois. Donc c'est un peu relou. Voilà, ça c'est bon. On panique pas, tout ce qu'il faut c'est garder son sang-froid. Son cold blood. Alors on garde le cold blood et tout ira bien normalement. Hein. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est de la tactique ça. Ça le gendarme, là il est au max. Hein. Ok. Jeff Goldblood, waouh. Ah, on est là-dedans quoi, on est dessus quoi. Ok, alors ici on va se calmer par contre. C'est quoi? Open gas clear. Comme ça on s'assure. Le gaz, j'ai l'impression qu'il est complètement pété parce qu'il remplit toutes les salles, peu importe la grandeur de la salle. Du coup on va faire ça. Get some gas forward. Pourquoi t'as sorti ton Colt toi? Évidemment, quand je dis que le gaz remplit toute la salle, il y a un mec qui s'est pas gazé. C'est bon, on est bon? Attends, je vais m'occuper de la pièce principale. T'as pas reporté le civil, t'inquiète, on y retournera après. Voilà, il faut bien le faire souffrir. Et une fois que tu lui as bien pété la gueule, il se rend. Sierra 1 reporting. I have an unknown inside. Put your hands up and get down. Gun here. Help! Whatever you say, officer. Ça c'est pas mal, ça c'est bien, ça on est bien là. I could see one of them. Toi t'es vraiment un gros enculé toi. Sierra 1 reporting. I've lost sight of the suspect. We have the suspect down. Roger that. Stand by for further reports. Ah oui mais non mais là je suis désolé mais il l'avait cherché complètement quoi. On est d'accord. Putain, il m'a fait saigner en plus ton culé. T'as un contact toi? Où ça? Wait your turn. Je vois même pas. Sierra One, t'es sûr que t'as un contact? Tu m'as pas ni. Hop, t'as ta gueule. Don't make any trouble. T'as pas de contact Sierra 1, tu fous de ma gueule ou quoi? Ah il a dû juste passer. Ok d'accord. Bon. Et bah c'est pas top. Je me suis pris des balles dans le buffet, j'aime pas ça moi. Dans le Carole. C'est Carole? Non c'est comment déjà son nom à cette conne? Carole Buffet? Patrick Buffet? Non. T'as pas reporté le civil. Et si en plus je les reporte le civil, Xuxu? Haha. Alors, tu en pris pour un débutant ou quoi? Attention hein. Ta gueule. Sors ta gueule. Voilà. Là, on est bien. En plus, il a insulté ta famille, le gars. Ah non, mais le mec qui fait semblant de se rendre pour pas se rendre, mon gars, ça a le don de me vénère. C'est pour ça que je l'ai abattu sur place, quelque part. En légitime défense, quelque part. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'ai l'impression que le... c'est bon, on est encore abruti, c'est bon. Cassez-vous. Voilà. Ici, exit, je crois que ça mène à la salle que je viens de vider. Pas du tout. J'ai eu énormément de chance encore une fois. Rends-toi. Voilà. Ça, c'est bon. Il a eu énormément de chance de se prendre. Enfin, il a eu de la chance. Je lui ai fait sauter la carotide, si tu veux, mais bon. Il a quand même eu du bol. Ok, ça, c'est pas mal. Bon, en espérant que ça merde pas cette fois-ci. Hein. Et sur moi, les gars. J'avoue que là j'y vais un peu tout seul. C'est bon, vous rendez-vous, vous êtes des civils. Tu te couches toi avec tes cheveux là, regarde. Non, c'est pas tes cheveux, c'est un bonnet. Encore plus con. Ton bonnet, on dirait une espèce de vieille capote pleine de brocolis. C'est complètement con de foutre des brocolis dans une capote. Ok. Not again, il a dit le mec. En plus, t'as vu, c'était déjà un criminel en plus. J'ai bien fait, j'aurais dû le tuer, tiens. Ça, c'est bon. Lui, il est déjà noté. Salut, Warren. Et salut, Dolly. Ça va, les gars? Vous passez une bonne soirée? Liaison dangereuse. Bon, on va vider tout le rez-de-chaussée et ensuite, on va monter. Parce qu'il y a des mecs, en haut. On le sait. On a vu un gars courir tout à l'heure au niveau du balcon. On en est où, là? 15 sur 20, 6 sur 9.
En même temps, j'ai buté pas mal de monde avec Sierra, donc ça m'étonne pas que j'ai des preuves en moins. Il y a aussi lui que j'ai oublié de keuf. Ok. Pekeb, ça c'est Pekeb. Ça c'est Pekeb. Pousse-toi, voilà. I have a ticket. Je m'en fous, moi. Lui, c'est bon, c'est un terroriste, c'est bon. J'aurais dû le faire souffrir, en fait. Ah, il y avait lui aussi. J'espère que c'est pas un qui s'était planqué derrière une colonne comme ça tout à l'heure, parce que sinon... Si tu stream tard, je vais pouvoir mater sans culpabiliser. Et yes, poto, ça c'est bien, ça. T'as bien fait. T'as bien fait de prendre des vacances pile quand je stream. Parce que je sais que c'est pour ça que t'as pris tes vacances, c'est pour mater mon stream en fait. Si tu me dis non, je me suicide. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Salut Kaidan. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah c'est de la merde. Enfin c'est de la... Oui, c'est... Enfin, oui évidemment c'est de la merde. Mais... Alors je veux pas péter ça, je veux pas péter la porte. Parce que si j'ai peur que si je fous du CD dans la porte, l'otage derrière va exploser en fait. Et ce serait très négatif. Parce que vous l'avez vu depuis tout à l'heure, si jamais un otage est mort, c'est mission fail direct. Mais directos. Ok, attends, chut. Cette fois-ci on fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Qui est là-bas, ça s'est fait schlasse. C'est plutôt positif. Allez, vous rentrez, vous gazez, vous en démerdez, d'accord? Personne n'est mort de l'autre. Ok, donc tous mes alliés sont alive. Born to be alive. Born to be alive. Fais peur, bande de con. Allez, go! Lâche une caisse. Hop là, petite bulle. Waouh, t'aurais pu lancer un peu plus loin, espèce de flemmasse. Hein. Y'a personne? C'est quand même être impressionnant de se faire engueuler par des SWAT. Hein. Quelqu'un ici? Oh, oh, oh. C'est le premier à abandonner, c'est le premier à abandonner. Oh la vache! Oh la vache! On a fait un Mexican stand-off avec une porte, poteau. Et moi, j'ai peur de rien, moi. Oh la vache! Oh, je m'y attendais pas, dis donc. Ah, il poussait à la porte et tout, hein. Et en plus, il a foutu une balle à son pote. Et j'ai eu extrêmement de chance aussi, là. Heureusement qu'ils sont cons, hein. Ça, c'est bon. Lui, je lui ai foutu une bastos tout à l'heure. Lui il est report. Lui il est tellement gros, il a même pas senti mon beanbag. Je pense que c'est toujours impressionnant de voir des armes braquées sur toi avec des gens qui te gueulent à terre où je tire et surtout dirigés par toi. Pourtant, je suis plus ou moins un négociateur là. Hein. Je sais pas si t'as vu avec la douceur avec laquelle je travaille. Enfin, à dire ça, je trouve ça un petit peu riche. Hein. C'est dans cette situation que c'est bien un chain gun. Et qu'il arrive avec la Gatling. Bon bah écoute, j'ai l'impression qu'on va gazer tout ça. Hein. Prep CS, breach and clear. Je vais juste attendre ici si jamais il y a un gros bâtard qui veut venir se la mettre. C'est bon? Voilà, go. Personne? Tout est clear? Ok, tout est clear, c'est bon. C'est bien les gars. Russell est-il un bon négociateur? Un doigt dans la bouche, un doigt dans le cul et tu switch. Elle est bien cette boule magique. Hein. Elle a un peu de mal. C'est pas grave, elle a du mal à avaler, c'est rien, c'est une otite. Tiens, tu fermes ta gueule. Couché l'Asiate. Je pars raciste. Ça c'est bon, mon compteur est partant, passé en or creuse, j'ai failli mourir. C'est quoi, employees? Ok, vas-y. Qu'est-ce qu'il a? Mon compteur est en train de faire tic-tac là. Je vois rien, j'ai l'impression. À part des mecs en train de galérer. Nos contacts? Eh bah écoute, on gaz quand même, on sait jamais. Parce que la dernière fois qu'il y a eu nos contacts, il y a eu contact quand même. Là, allez, bang. Voilà. Allez, go les gars. Ah, c'est fermé de l'autre côté.
Ah non, hein. Ah, il a tiré quand même, enculé, avec son Mac 10 là. C'est le même Mac 10 que Pulp Fiction en plus, comme on l'a vu tout à l'heure là. Sale enculé là. On a failli s'en prendre une encore, hein. À chaque fois, c'est au poil de Huck. Hein. Hop, elle, c'est bon, elle est wounded, mais on est bien. Mirror on the door, juste pour être sûr. De toute façon, je pense que ça va être Bridge Gas Clear. Allez, go. Bridge Gas Clear, on est bon? Ouais, fait péter du C2, j'adore le C2 en plus. Il y a quelque chose de poétique d'en faire péter une porte en bois pour y mettre du gaz. Police, on your knees, hands up. Put your hands up and get down. Trailers, move in. Ok, tout le monde est mort ici. Ça, c'est positif. Allez, vos gueules. Couchez tout le monde, couchez tout le monde. C'est lui là, en fait, non, c'est lui là-bas. Il était avec son petit AK-47, j'ai tiré dans ses bras, il a lâché son AK-47 et je l'ai fini avec une balle dans le cul. Ça, c'était poétique aussi. Hop, ça c'est bon. I'm dating a member of the band, also I'm a fucking whore. Ça c'est bon. Bon alors, on en est où là? Il reste encore ça. Et après, on aura fini, hein. Tirer un demi-bag dans la porte. C'est bon, la porte se rend. J'ai l'impression que ça a l'air clear. Mais on sait jamais, on va quand même rentrer avec une petite bang. Moi, je vais mettre là, je suis caché. Ok, go. Là, il y a toujours quelqu'un ici. Et bah, apparemment pas là. Génial. J'adore avoir tort. C'est mon truc préféré, je pense. Vas-y, rentre. Une bombe encore ici. J'ai vraiment pas confiance. On va littéralement balancer une grenade à chaque porte parce que j'ai vraiment pas confiance en cette boîte de nuit de merde. Une boîte de merde, d'ailleurs, je dirais. Que le mon gars. Suspect contact. Ok. J'espère que c'est le dernier. Si c'est, mais vas-y, mission finie. J'en suis où? Eh ben voilà. Eh ben tranquillou ou pas? Bah alors, allez, je finis mon coca pour la peine. Eh ben combien de suspects? Il y avait 13 suspects. Ben non, mais si, pourtant, on les avait croisés, les 13, tout à l'heure. On les avait croisés. C'est pas ouf, mais ça passe. Je suis officier, quand même. Toi, t'es quoi? T'es rien, t'es un civil, toi. Alors, voyons voir la suite. Département d'agriculture. Carrément, le département d'agriculture, quoi. Donc, c'est un gros building. Donc, à mon avis, ça va être des petites zones. Ferme ta gueule. Alors, Bring Order to Chaos, Recue All Civilians, Rescue Rita Winston. Carrément, Rita Winston. Donc le département d'agriculture a des bureaux, machin, ok. Il y a des terroristes avec des IED. Ouh! Ok, donc la bombe a pété trop tôt. Donc ça a foutu la merde. Et donc il y a des otages, d'accord. Donc il y a des mecs qui ont posé une bombe dans le département d'agriculture, c'est qu'ils ont vraiment rien à foutre de leur week-end, quoi. Quand les pompiers se sont fait tirer dessus par les connards parce qu'ils ont voulu éteindre le feu, du coup, mais il y avait déjà la prise d'otages en cours. Apparemment, les terroristes sont des fermiers locaux qui ont un problème avec les nouvelles politiques du gouvernement sur les champs à OGM. D'accord. Ils sont mieux armés que vos fermiers. Ils sont mieux armés que les fermiers locaux, enfin que les fermiers normaux. D'accord, très bien. Ils ont des M1 et des Kevlar normal. Ok, super. D'accord. Ah, ils ont des masques à gaz aussi. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, du coup, écoute, s'il y a du masque à gaz, on va se démerder pour faire ça tranquillou, sans gaz. Donc, Rita Winston, c'est elle. Timeline, on s'en fout un petit peu. Nouvel équipement. Ok, on a les NV maintenant. On a les NV que je vais prendre tout de suite. Parce que c'est cool. Par contre, du coup, vous allez pas prendre de CS, vous allez prendre que des Stingers. Que les Stingers, toi tu vas prendre une Stinger aussi. Tu vas prendre une Stinger aussi, parce que j'ai pas envie qu'on se fasse niquer par ça. Tu sais quoi, tu vas prendre même une flash en même temps. Voilà, trois flashs. Et celle-là, ça sera une Stinger. Voilà, normalement on est tranquille là.
Ammo pouch. Je vais garder la poche de munitions parce que c'est vraiment génial. Stinger, pepper spray. Et bah écoute, j'ai l'impression qu'on est plutôt bien. Allez, let's go. C'est pas une révolte. Regardez-moi cette meule. Adam Boy and Truck 1 responding code 2 to 2112 Getty Avenue. Getty Avenue. Ok. Sierra 1, un petit contact, c'est quoi? C'est un civil, ça? J'ai l'impression que ça, c'est un civil. J'ai pas envie de lui foutre une cartouche, mais lui, par contre, j'aimerais bien lui en foutre une petite, là. Ça dans le cul. Ça est gratos. Oh la vache. Il y a du bordel un peu, là. Ok, donc déjà, je leur ai fait peur. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est quoi pour activer la... Et B. Ok, donc toi t'as perdu les suspects, mais d'accord, il y a qu'un seul Sierra, très bien. On voit que dalle, c'est plutôt génial, mais c'est plutôt nécessaire surtout. Donc il y a des bombes. Oh non! Oh non! J'aime pas ça, ça va pas être fun ça. Oh, je stresse déjà. Je suis en stress. Gold, I got point. Bon, et ben, on va essayer de se démerder tout seul. Hein. Cette lunette à vision nocturne ne marche pas du tout. Je vois vraiment que dalle. Couché. Tu lâches. Couché. Voilà, ce MP5 est désormais à moi. Voilà. Zippez-le. Putain, c'est pas possible. Voilà. Ok, c'est bon. On va essayer d'aller le plus vite possible. Hein. Ok, il y a une autre mallette là-bas. C'est pas mal. Zippe-le lui aussi, tiens. Voilà. Lui là-bas, je sais pas si c'est un civil ou pas. Non, c'est bon, c'est un civil. Du coup, tu vas quand même te coucher parce que tu vas te manger. Bah, tu t'es mangé un bing bag dans la gueule. Mais c'est parce que tu l'avais un peu cherché quand même. Là où? Il lance des chaises! Saloperie de terroriste! Bon. Allez, sur moi les gars. C'est pas ça que je veux faire. Get down, hands in the air, on the ground, now. They're trying to kill me. Police, get down now. Get down. Police, get down now. Put your hands up and get down. Get down, hands in the air. Allez. Allez. Ah, il est déjà par terre, ok. C'est moi qui suis un petit peu trop stressé, je suis désolé. Moi, c'est dès que je vois un timer, je deviens complètement stressé. Ah, il a essayé de me niquer, hein. Ok, donc le contact, c'est bon, c'est rendu. Ah, ça me tire dessus, mais c'est pas grave, on reste tranquille. J'ai eu tellement de chance. Mais c'est pas lui qui m'a tiré dessus, j'ai entendu une arme automatique. J'ai entendu une arme automatique me tirer dessus, ça fait tic-touc et j'ai pas aimé du tout. C'était qui? Est-ce que c'était un de vous? Vous faites pas des blagues, vous faites pas des guiliques. Ok. C'est bon, on a du bon temps là. Niveau timing, on est bien. Déjà, on a chopé lui. Sur moi, les gars. Voyons voir. On va quand même faire un peu attention parce que là, j'ai l'impression qu'on va rentrer sur une grosse zone vide. Là-bas, il y a du connard, mais je suis pas sûr. Bon. On rentre en bang et on y va quand même. On s'est gamé. Go. Ok, c'est parti. Ah la vache, il est difficile à convaincre lui, hein. Ok, il s'est rendu. Impeccable, prenez les armes. On a eu beaucoup de chance avec lui aussi. Ok. Normalement, j'espère que c'est la dernière. Normalement, c'est la dernière. Si on a du bol, c'est la dernière. C'est pas la dernière. Et bah, c'est la merde. Tiens, bah, zippe-le. Comme ça, on est tranquille. Putain, on voit que dalle. Attends, je vais craquer une petite craquinette. Hop,
J'adore ces graquinettes là. Ok, c'est bon. Il fera plus chier lui. On fera un passage après, hein, mais au moins. Au moins, on les keuf, ils bougent plus. Oh! J'entends. Bastards. This guy ain't going anywhere. Suspect secured. Open bang. Open bang. Open bang. Ouais, je le sens bien là. J'ai l'impression que la bombe elle est derrière là. It's locked. Let's knock it down. Mais oui, breach, évidemment breach. Open and clear. Bang it. Move over, JV. Ça aussi c'est fermé, putain. Ok. Allez, moi aussi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je crois que mes deux potes sont morts. Non, un pote est mort. Et on voit que dalle en plus. Ok. C'est pas grave. On a perdu qui? On a perdu. Et on a perdu Girard. C'est pas possible. Girard a vraiment un énorme problème, quoi. A chaque fois, il finit chlassé, lui. Non, mais là, oui, ça a gueulé dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai fermé ma gueule, parce que je comprenais pas ce qui se passait. Oh là 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 là, mais le stress immense. C'est bon, c'est fini? Putain, il y en a encore une. Fuck. Vous l'avez chopé l'autre là-bas ou quoi? Ok, il avait une arme sur lui. Je sais pas si je l'ai pris ou pas, je me souviens pas. C'est pas grave. Allez, sur moi, on continue. On a encore une à trouver. Talk, this is entry team. Suspect cuffed and secure for transport. Ah. Roger that. Standing by for further reports. Ah là-bas. Je la vois. Allez, c'est la dernière. Peut-être qu'il faudrait que je regarde dans le menu échappe, remarque, hein, si c'est le dernier. Hein. Yes. Et là, on peut prendre notre temps. Et là, on est tranquille. Voilà. On voit que dalle. On voit vraiment que dalle. Ok. Là, on est bien. On va pouvoir menotter tout le monde. Il avait pas son arme sur lui. Enfin, s'il avait une arme, je l'ai pas chopé son arme à lui, si. Si, j'ai dû la prendre. Si, je les prends souvent, les armes, par contre. Les menotter et tout, des fois, ça m'arrive d'oublier, mais les armes, j'oublie quasiment jamais. Putain, faut vraiment que dalle. Ça doit pas forcément être super le plaisir pour vous, mais écoute. Et quelque part, c'est les aléas du travail, hein. Moi, je suis SWAT, hein. Je suis pas dans les luminaires. Ok, j'en suis où, là? 11 sur 11, 8 sur 9. Il manque juste un gun. Il manque un gun et ensuite, on est bon. Mais déjà, on a toutes les bombes. Ça, c'est bon, ça. C'est-à-dire qu'on peut y aller tranquillement, sans stress. On sait que rien ne nous arrivera et qu'on est plus ou moins immortel. Pas de stress et y a poignée, ça. Tu sais quoi? Je vais m'en occuper, celle-là. With you. I remember you. And through the sleepless night. Eh ben écoute, vous allez me... Bridge bank clear. Et moi, je vais aller voir là-bas. Est-ce qu'il y aurait pas une petite... Si, voilà... Ça c'est bien. Tu sais quoi, regarde. Red. Open Red bang team. Clear. On my order. Open and bang. Clear it. Ça va être un mec, quoi. Non, t'as pas envie? Bah écoute, tant pis. Non mais c'est pas grave. Bridge bang clear, allez go. Open and clear. Bang it. Merde, j'ai foiré mon rythme. Entry team spotted. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Police, get down now. Hands in the air. Get down. Police, on your knees. Get down. Il a tiré, mais miraculeusement, il n'y a pas eu de meurtre. Qui est... Non, c'est Reynolds. Non, c'est... il a loupé. En fait, j'ai l'impression qu'il a loupé. Il a tiré, mais il a loupé. C'est abruti, comme dans Pulp Fiction encore. Ok, ça c'est bon. Toi, la vieille. Viens ici. J'ai ramassé son gun ou quoi? Oui, j'ai ramassé son gun. A chaque fois, j'oublie en fait parce que je le fais tellement rapidement. Non? Non, je l'ai pas ramassé. Haha! Ok, y'a rien d'autre ici. Et la chance de pas se manger l'explosion de CD dans la gueule parce que tu peux mourir de ça. Hein.
Quand j'ai dit tout à l'heure, je voulais pas ouvrir la porte au CD parce qu'il y avait un otage derrière, c'était vrai, hein. Tu peux vraiment crever à cause de ça. Hein. Mais je crois que ça les incapacite. Incapacite. Comment on dit? Incapacite. J'ai l'impression que je deviens con. Et incapacite, si, je crois que c'est ça. Est-ce que tu crois qu'on peut tomber? Oh, il y a un mur invisible. Oui, je joue au con. Oui. Bah écoute, j'aime bien tester le destin quelque part. Comment on redescend? À part là. Ok, c'est bon, j'ai. Ah, il manquait lui aussi. Lui, je crois que je l'ai ramassé, hein. Il me semble. Ouais, j'ai ramassé. Mais lui, non. Le costard, là, il ressemble à Ozymandias. Ça, c'est bon. Ok, il y a un souterrain. J'aime pas les souterrains. Où est-ce enculé? Panique extrême, c'est bon. Tout va bien. J'ai foutu mon canon dans la glotte en fait. C'était beaucoup plus simple. Comme ça, il n'y a plus besoin de viser. Il y a des portes un petit peu partout. Et de la réutilisation d'assets. On voit vraiment rien. Heureusement qu'ils m'ont filé de la VN parce que. Je sais pas si j'ai eu. J'en ai eu un, certes. Mais les autres, je les ai pas eu. Fous-moi ton gun, comme ça on est sûr. Ok, c'est bon. C'est vraiment bizarre, j'ai l'impression que les textures bug. Vraiment étrange comme atmosphère. Hein. Gueule pas, toi, c'est pas la peine. Allez, zippez-le au moins. Ah non, mais c'est un otage en fait. Oh, tant mieux, c'est pas grave. Allez, couchez. Yes. C'est chelou, hein, on a l'impression de voir le monde dans les réflexions en bas là. Mais en fait, non, t'as vu, c'est vraiment de la flotte, regarde. Hop. Waouh, carrément mieux. L'ambiance flippante, mais je sais pas si c'est flippant ou juste chelou, enfin. One of the gunmen. Y'a un gunman? Attends. Y'en a un qui est en train d'hurler encore là? Ah là, d'accord, c'est parce qu'il y a un escalier là. One of the gunmen! Attends, fais péter la Stinger. Yes, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Attends, elles sont où mes Stingers? J'ai pris les Stingers, non? Attends. Très moche ce garage, 2 sur 20. Bah, je trouve, hein. Ok, ça c'est ma Stinger. J'en ai marre de ma vie, mec. J'en ai marre. Un peu plus haut. Ah. Ok, lui c'est bon. C'est pas bon. Couché. Et l'autre au fond là-bas, je l'aime pas l'autre au fond là-bas. Chopez le vite. Ok. J'ai l'impression que c'est les derniers. Non, clipez pas, je vous en supplie. Ok. Putain, on voit vraiment que dalle. Mais même avec les light vision, on voit que dalle quoi. Au. Putain, c'est un qui nous suivait, mec. Je me suis fait tirer dessus par un connard qui nous suivait depuis tout à l'heure. Ah non, je vois. C'est le mec dans le coin, mec. Putain, j'adore ce jeu. C'est le mec dans le coin, là, qui est allé chercher une arme en bas et qui est venu nous tirer dans le dos. Est-ce que c'est pas génial? J'adore. C'est drôle. Par contre, maintenant, je boite, mais du coup, ça, c'est ma vitesse maximum. Heureusement qu'on a déjà désamorcé les bombes parce que ça aurait été la merde. Hein. Voilà, ça, c'est bon. En haut, il n'y a plus personne. En bas, il reste juste quelqu'un, mais c'est un de nos potes. Du coup, on est tranquille. Allez, là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vois que dalle, en plus. Ah, on est déjà passé par là. Oui, on est déjà passé. 20 sur 21, 16 sur 18. Rescue all the civilians. Ok, il nous manque un connard. Qui doit être quelque part, du coup. Bon, par contre, avec la jambe dans le sac, ça va pas forcément être facile, mais c'est pas grave.
pardon, excusez-moi. C'est pas grave, comme ça au moins on est sûr qu'on va tirer avec la précision. Parce que quand tu marches, du coup, t'es tout le temps précis. Quand tu te déplaces. Putain, j'ai l'impression d'être dans les vieilles sièges de mémé là. Avec les sièges anti-tâche. Ok. Lui, d'accord. Il y en a un qui bouge beaucoup là-bas. Je sais pas si on l'a pas oublié. Est-ce que tous les civiliens, ils ont été rescus? Casse-toi, 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 casse-toi. Voilà. Ça va être long, mon gars. La vérification de la map, elle va être extrêmement longue. Lui, c'est bon. Il a été incapacité. Il y a toujours notre pote qui est mort. Le Stana avec les 10 premières couches, 10 premières couches offertes. C'est dégueulasse ce que tu racontes, mais c'est vrai. C'est pour ça que c'est bien. Rome tout, finalement, tu es criard de vérité. J'ai entendu un clic. C'est quoi ce clic? J'aime pas ça. Arrêtez de faire clic, s'il vous plaît. Merci. Il y aurait pas un autre civil par hasard? S'il vous plaît, je vous en supplie. Stana, c'est plus fort que ton foie. Stana, plus fort que ta prostate. Les ici, il n'y a personne non plus. Ils ont des vieux IBM. Ils ont des ordinateurs de la Deuxième Guerre mondiale. Là, il n'y a rien. Là, ici, il n'y a que dalle. Okay. J'ai oublié qu'il y avait de la couleur dans le jeu, en fait. C'est vraiment la merde. Je sais pas s'il vaut pas mieux, en fait, garder les... la lampe torche, parce que c'est vraiment, vraiment la merde, cette VN. Quand je dis VN, c'est vision de nuit, hein, pas visual novel. Ah, bah c'est toi! Bah voilà, normalement c'est bon, ça doit être le dernier. Ça serait bizarre que j'en ai loupé d'autres. J'en ai loupé d'autres. Et on a toujours pas récupéré Rita Mitsuko, là. Exact, exact, exact. On n'a pas récupéré Rita mon cul. Ça, c'est pas bon, ça. Attends, on va vérifier cet étage encore une fois. Est-ce qu'on est passé un petit peu vite, je crois, par là? Est-ce qu'on en a oublié, là? Ça, non, ça, non. C'est quoi? Est-ce que je peux, genre... Ah, on a vraiment aucune lampe torche, en fait, une fois qu'on a ça. D'accord, je vois. À la vitesse d'un cheval au galop. Tu vois, je voyais pas que c'était un mec qu'on avait déjà pris. Putain, cette vision nocturne de merde. Ça, ok, ça c'est bon. À la vitesse d'un cheval au galop. Cet endroit que l'on dit, que le, politiquement on dit... la marée remonte à la vitesse d'un cheval au galop. Ça non plus, ça c'est bon, c'est vide. Ça c'est quoi ici? Ça, on est déjà passé ici des milliers de fois. Et bah écoute, ça va être encore la map Find and Rescue, hein. Mais de toute façon, je pense qu'après cette mission là, je vais aller sur Castlevania pour la fin du stream, pour la fin de la soirée, ça vous dit? On continuera Stashkov Syndicate, je pense qu'on finira d'ailleurs prochain stream, peut-être lundi prochain, peut-être dans la semaine, je sais pas. Mais je trouve qu'il va plutôt bien pour le lundi oldie, du coup j'aime bien le faire celui-là. Comme tu veux, mon cher Russienne. Ouh, j'aime quand tu me parles comme ça. Sale pute. Y'a quoi, ça c'est... Oh. Ah bah voilà. Il m'en manquait un. 22 sur 22, 16 sur 18. Il me manque des armes par contre. Ah oui, par contre là, les armes... Pff, là, ça va être... Galère, hein. Je galère, c'est la merde. Je suis en train de perdre tout mon sang par mon genou. Ils m'ont fait sauter la... Comment, la rotule. Quand je marche, je grince. Putain, en plus, eux, ils ont des lampes torches, la chance. Parce qu'une fois que tu décides de partir avec ta vision nocturne, en fait, ils te laissent vraiment pas le choix. Regarde ça, regarde-moi ça, mec. Ah, même quand je lâche une craquinette, ça fait que dalle, quoi. Et oui, les lumières que j'ai, ça s'appelle des craquinettes, j'y peux rien, hein. C'est pas moi qui fais les dénominations, hein. Ah, il y a une porte ici. Let's play it safe. Use the wand. On it, sir. Ça doit être la dernière qui me reste. Et je pense que la civile doit être dedans. Sinon, je sais vraiment pas. Hein. C'est la scène dans les égouts du film Doom. Tu sais que je l'ai vu une fois, le film Doom, et je pourrais te citer aucune scène à part vaguement celle où ils sont en première personne, là. Prep a bang. Open and clear. Prep a bang. Police, on your knees! Move! On the ground! Suspect now. Spotted! Police, put your hands up! On the ground! Now.
Et il a drop, et il a drop un de mes potes. Et voilà, il a niqué qui? Fields. Et voilà. Forcément. Et je sais pas pourquoi il a pas pris la flashbang. Des fois, les ennemis prennent pas les flashbangs. Et je sais pas pourquoi. Bon, au moins, on a fini la mission. Avec quand même deux pertes. Des pertes blanches. Haha. Ils sont trop marrants, la mégaforge, ils sont vulgaires. Pourquoi lui, il est resté au fond? Ah non. Je crois que c'était un de mes hommes. Je crois que c'était un de mes hommes qui était resté dans le fond du garage, apeuré, en train de trembler. 18 sur 20, il me manque quand même deux armes. Et je sais même pas si je vais pouvoir passer cette mission avec mon score là. On peut essayer d'aller chercher vite fait, mais... Oh là là. Il y a juste celle avec le putain de fat cannon là qui m'a marqué, je sais pas pourquoi. Il y a vraiment aucune scène de Doom qui m'a marqué. Et, à part les scènes qu'on revoit vite fait dans la vidéo de Karim Debbache sur Doom, il y en a vraiment aucune qui m'a marqué, quoi. Le film entier, c'est une catastrophe. C'est tellement cheap en plus. Enfin, je vais pas vous refaire tout le pamphlet forcément, hein, mais là y a rien. Je pense qu'on va couper là. Enfin, qu'on va couper la mission là. T'as pas des armes, toi? Non, tes armes, tu les as laissées tomber ailleurs, toi. La scène aux chiottes, je sais même pas de quelle scène tu parles. Hands in the air, get down. Je vais pas pouvoir faire toute l'épopée. Oui, bah écoute, c'est plus ou moins une épopée épique, la naissance de Doom, le film. Vu la gueule du truc, Et franchement, c'était une mission rondement menée. On a certes perdu deux êtres humains, mais on en a sauvé des milliards d'autres. des milliards de milliards, même. Personne d'autre? Toi, t'as vraiment pas ton flingue, toi? La scène au shot. Est-ce qu'il faudrait qu'on le stream, le film Doom? Au drive-in? Hein, j'hésite, hein. Je me dis que oui, mais je me dis que non. Y'a rien, y a vraiment rien. Ouais. On voit que dalle. On voit que dalle. J'ai passé la mission entière à voir du vert. C'est au même niveau que Blood Freak. Non, Blood Freak. Je refuse que tu dises ça, Blood Freak. C'est magnifique. C'est sublime ce qu'on a vu sur Blood Freak. Toutes les scènes étaient géniales. Et en plus, il y avait des gens qui phasaient quand ils parlaient. Mais mec, j'en pouvais plus, je pleurais derrière mon stream, moi. Laisse tomber. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas chialé de rire comme ça devant un film, quoi, vraiment. J'étais inconsolable. Bon, y a rien d'autre. Allez, hop, débrief. C'était marqué menace. Pendant un moment, vite fait, là, c'était marqué menace. Oh, au moins on l'a passé. Allez, je veux juste voir c'est quoi la prochaine mission. Drug Lab. Ok, un laboratoire de drogue. Ouais, je sais, je suis américain. Ok, donc... Nanana. Go ahead, Central. Ok, donc c'est sophistiqué, c'est un laboratoire de drogue sophistiqué. Et apparemment, ceux qui ta gueule. Ceux qui s'occupent du laboratoire, c'est le clan Stetchkov, donc c'est bien eux, les Russes. Donc, Est-ce qu'ils sont... Est-ce que ça me dit qu'ils sont armés de ouf, là? Ouais, ils ont des fusils d'assaut et des shotguns, mais je sais pas s'ils ont des armures. Ça, c'est important, quand même. Entry, bon, ça, on s'en fout, hop, on va faire ça. Suspects, on s'en bat les couilles. Civils, on sait pas. Et... Ouh! Ah ouais! Ah, oh, j'ai envie de la tester, tiens! Attends, on va partir en mode full létal pour la prochaine. Tu sais quoi? Toi, tu vas prendre un Colt. Toi, tu vas prendre... Tiens, ça, pourquoi pas. Pff, écoute, un peu au hasard. Et toi, tu vas partir avec ça aussi. Voilà. Comme ça, on n'est pas trop mal. Et j'ai juste envie de tester le P90, ça a l'air marrant. Yop, les gens, t'as entendu parler de Ready or Not, un jeu dans la lignée SWAT? Oui, c'est pour ça que je suis en train de streamer d'ailleurs SWAT 4. C'est pour, en attendant, en fait, Ready or Not, vu qu'il va sortir dans des milliers d'années. J'ai juste envie de tester, voir comment tire la P90. Je suis très intéressé. Alors, elle est très étrange. La façon dont il la tient est très étrange. Ok, il y a un mode burst, il y a un mode full auto aussi. Pas mal. Rechargement. Ouais, un peu facile. C'est bien, on peut bien évider les pièces comme ça.
C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, du coup, les copains, je reviens dans quelques minutes. Pour l'instant, on va arrêter là sur Stagecraft Syndicate. Il est super, le jeu, mais comme d'hab, il est un peu balèze. Et en plus, là, j'ai des problèmes de... du coup, d'IA ou je sais pas quoi. C'est très, très étrange ce qui se passe. Mais on va essayer de voir pour la prochaine fois si on va pouvoir régler ça. Pour l'instant, c'est une tuerie et j'adore les gadgets supplémentaires et la possibilité de foutre des coups de poing aux civils. C'est ce qui rajoute le petit... Tu vois ce que je veux dire? Bref, je vous retrouve dans quelques secondes, les gars. Le temps de lancer... Qu'est-ce qu'on a dit qu'on lançait? Castlevania. Symphony of the Night, encore. Et ce sera pas en Castle Vodka. J'ai envie quand même de rester tranquille pour cette soirée-là. J'ai pas envie de me bourrer la gueule. Donc on va rester sur du Castlevania normal. Et voilà. Allez, à tout de suite, les gars.